Ça marche. Bonjour, bienvenue à la campagne Cops, épisode 12 ou 13. Non, plus 1 comparé à celui de la semaine dernière. Oui, voilà. Je tiens juste à préciser que l'enregistrement ne marche pas, il fonctionne. Hein ? Ah bon ? Non, parce qu'on a dit ça marche, mais non, ça ne marche pas, ça fonctionne. Ça dépend, si ça se trouve... Finis ta blague, t'as l'air d'être content, là. Bon, c'est tout, c'était juste pour faire mon chiant de première. Je rappelle que vous êtes dans cet escroc de gros drogués qui s'appelle la Lomax. Non, je plaisante. Bon, on en était à où déjà? Déjà, on rappelle que le Krog vient d'élire sombre en tant que jeu de l'année 2016. Toc, ça c'est fait. Johan, si tu nous écoutes, c'est pour le placement de produit. Comme Krog d'or, pas jeu de l'année, Krog d'or. Krog d'or. C'est vachement mieux. Sérieux, sur l'enfant. Mais bon. Bref, voilà, ça c'est fait. Et donc, on en est complètement courtisan. On en était. Mais du coup, ça y est, il a arrêté, il va se consacrer à un vrai jeu de rôle. On commençait à avoir les pièces du puzzle, mais qu'on n'arrivait pas à savoir comment ça s'emboîtait. Attends, c'est quoi la question d'Obi ? Non, je disais, est-ce que maintenant Johan il va arrêter, il va se consacrer à un vrai jeu de rôle, mais Non, justement, c'est la preuve que c'est un vrai jeu de rôle. Oh. Parce qu'il est reconnu en tant que tel. Vu qu'il a un prix. Oui. Je blague, mais Mais du coup, sinon pour la campagne, on était devant la Lomax et on allait rentrer pour sauver tout le monde. Voilà. Pour sauver tout le monde. Fuir parce qu'il y avait eu le. Enfin, sauver tout le monde, notre gueule quoi. Mais. Oui. Donc en fait, on va à la Lomax pour choper. Vous avez déjà un plan. Putain, j'avais pas compris que vous avez un plan. Vous avez chopé la dernière action, si je me rappelle bien, c'est d'avoir chopé le chimiste. Ouais. Enfin, ouais. On a un plan. On a pas on a un truc, voilà. Une image. On a pas chopé le chimiste, on a passé un deal avec le chimiste. Pas la même chose, parce qu'on l'a laissé repartir, si je me souviens bien. Oui. Donc on a un deal. Et avec le chimiste. Comment ? Et là, on va à la Lomax pour minuit. Parce qu'il y a le fils Wax qui rencontre un mec qui va lui dire qui a réellement tué. Son père. Tadadam. Tan, tan, tan. Et vous aviez plusieurs idées en plus de ça, je rappelle. Il n'y a pas que l'idée d'aller voir ce truc-là, il y avait d'autres idées qui avaient été développées. On avait pris le masque parce qu'on pense que ça va nous donner des indications. Il y avait aussi dans les idées, alors il y avait plusieurs trucs. Il y avait aller choper lui. Il y avait aussi pour avoir à plus long terme pour pas que ça vous pète à la gueule plusieurs idées aussi. Parce que bon, juste choper les deux ou écouter ce qu'ils disent, c'est voilà. Alors, idéalement, moi, je pense que partisan d'aller le choper ou plutôt d'avoir l'information au plus tôt. Parce que c'est vraiment une course contre la montre. Hein. La prochaine fois qu'on voit notre ami le connard du SAD, il nous fout en tôle. Ouais, oui. Alors oui, moi j'aurais tendance à dire qu'on... Avec une enquête bâclée, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, mais on s'en fout. Si on est en tôle, on peut plus rien faire. Ouais. Et putain, t'es dans la merde, mais... Et moi je suis mort. Donc... Vas-y, Obi. Est-ce que... Clean. Est-ce que on... Moi j'aimerais bien rentrer dans la Lomax avec des micros. Parce que si on arrive à capter juste un aveu ou une phrase à la con du mec là, Padigan, c'est ça, un truc comme ça, qui est a priori lui le bad guy de tout, si on arrive à le faire à faire comprendre que ce mec là est déconne et voilà, et qu'on a la une preuve, on va dire,
qui reconnaît avoir participé à ça sur un enregistrement audio. Après, on l'envoie comme je l'avais dit, je pense à d'autres personnes de la et on essaye de faire prendre la mayonnaise, quoi. Pour que les pressions s'inversent et que ça soit plus notre gueule qui soit. Le mieux serait d'avoir l'enregistrement et la vidéo en même temps, c'est-à-dire les images et le son. Oui. Bah après, je pense que il y aura l'épreuve de Mélissa. Elle nous a quand même donné pas mal de choses. Ouais, mais justement, on a pas de quoi de faire les liens là pour l'instant. Mais je suis d'accord. C'est ça. Mais qui pourrait nous donner des liens, c'est pas Digan. C'est pas le seul, mais c'est un qui peut nous éclairer sur ce qui s'est passé, ouais, et pourquoi ça s'est mis en place. C'est pas faux. Mais bon, et donc, pour l'instant, le but premier, c'est d'essayer de choper la conversation entre les deux, là. Wax Junior et Paliguette, justement, pour savoir ce qui s'est passé chez son pater. Toujours le micro-canon ? Oui, c'est ce qu'on avait dit. Alors, moi, j'ai une question conne, mais... Est-ce qu'on va le laisser faire avec le gamin ? Est-ce qu'on va essayer d'intercepter le gamin avant qu'il rentre ? Moi, je rappelle juste, trop tard, c'est ça. Que la semaine dernière, vous étiez dans l'optique que Padigan va tuer le gamin, quand même. Donc je vois pas où justement. C'est qu'il lui dirait quoi que ce soit. Non, mais justement, l'idée aussi, c'était qu'on n'était pas sûr. Oui, il y a ça aussi. Il y a des chances non négligeables que Padigan décide de liquider Wax Junior, comme il l'a fait avec Mélissa. Donc il faut être sur le point aussi de pouvoir intervenir, c'est ce qui a été dit. Mais on va faire les deux, hein. On va essayer. Il a tué le micro canon et un autre la caméra, et il y en a d'autres qui seront prêts à intervenir si l'autre commence à essayer de voir le but. Mais il a tué Mélissa parce qu'elle a parlé, mais est-ce que si Jason Wax là il parle pas, je sais pas s'il il agira le mec. Ouais, mais justement, si Padigan a buté Mélissa, c'était la petite Annie de Wax Junior. Si Wax Junior décide de se mettre à table aussi, je pense que lui, il est là pour essayer de limiter la casse, et ça veut dire faire taire aussi Wax Junior. Dans le cas où c'est lui qui a buté Mélissa. Maintenant, c'est peut-être lui qui a monté Wax Junior pour buter Mélissa. On sait pas, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne toutes les options possibles. On filme le truc avec le micro, le canon micro. Et si jamais ça dégénère, on intervient pour essayer de sauver Wax Junior, parce que dans ce cas-là, on a un témoin. Et alors ça, c'est de l'or en barre. Parce que ça fout toute l'enquête du SAD à terre, et Wax Junior peut faire tomber beaucoup de choses, il peut nous expliquer beaucoup de choses. Si c'est quelque chose. Ouais. Si c'est quelque chose, mais même s'il sait rien, il peut déjà nous dédouaner sur beaucoup de choses. C'est ça. Comment il pourrait dédouaner sur quoi que ce soit, il était même pas là quand ça s'est passé le truc. Si, il était là, il est dans le. Non. Il était dans la discothèque quand ça a fait. Ah oui, dans la discothèque, ouais. Moi je parlais de votre enquête sur le SAD, parce que votre enquête sur le SAD, ça n'a rien à voir avec la discothèque, hein. Vous avez tué Metro Wax, hein. Ouais, mais justement. C'est déjà un point, et puis ça peut nous donner un truc, sachant que nous on peut faire des liens avec. C'est pas les juges, les magistrats, les juges, je sais plus quoi. C'est quoi le nom de cette espèce de secte à la con ? La haute cour, ouais. Entre la haute cour et Maître Wax, et après on peut commencer à dérouler à plot de line. Mais de toute façon, ça vaudra le coup de l'avoir dans notre poche. Donc on y va en 50% mission sauvetage, 50% espionnage, voilà, c'est ça. Et okay, on s'adapte en fonction de ce qui se passe. Je me mets du côté sauvetage. Ouais. Bon, ok. Pas de soucis. Donc, vous refaites une opération pyjama ou vous y allez avec vos vêtements que vous avez tirés, enfin tirés, que papa, que l'autre, que un a tiré. C'est Chris qui les a tirés. Moi, je dirais que ceux qui sont en sauvetage vont être en pyjama. Et alors pour le néophyte, pyjama, ça veut dire ninja. Et d'accord. Je précise, hein, parce que je sais jamais. Et pour les autres, ceux qui vont faire l'espionnage, la surveillance. Avec la surveillance, ils vont se mettre en Lomax Girl et Lomax Boy, et puis voilà. Ouais, mais c'est chaud le mode ninja. On peut pas tous se mettre en mode Lomax. Jamais ils vont croire qu'un assassin va revenir deuxième fois sur les mêmes lieux du crime. Ce plan ne peut que réussir. En même temps, où c'est qu'ils vont, les deux ? On le sait, ça avait été. Je te le dis, rendez-vous ce soir minuit à tel endroit, mais je sais plus exactement. Ça avait été dit lors. Je l'avais enregistré, hein. Donc je vais vous le dire au cas où, parce que pour que vous l'ayez aussi en tête. Alors.
Je cherche. Alors, ça, c'est juste un petit peu avant, c'était pendant l'enterrement. Alors. Rendez-vous à minuit sur le campus, il lui dira qui a tué son père. C'est large le campus. R. Ça veut dire que c'est le campus en plein milieu du public. Si vous avez au final. Zéro idée, je vous fais tirer des dés. Hein, pour avoir des Attends. Non, il y a. Le truc, c'est que de toute façon, alors c'est Wax là, le gamin, il va arriver. Donc ah bah oui, on a qu'à le suivre. C'est pas faux. Mm-hmm. Bah voilà. Et au pire, les ninjas restent en retrait et puis vous nous prévenez dès que Panigan se pointe, on rapplique. Ouais mais. C'est... Ouais. En disant ça, je viens de me mettre automatiquement dans le groupe de sauvetage. Perdu. Pourquoi t'as perdu? Qu'est-ce que c'est? Tu voulais être un ninja? Non, c'est pas ça, mais je pense qu'il faudrait que quelqu'un reste dehors dans une bagnole pour faire du repli au cas où, parce que ça manquait cruellement la dernière fois. Jusqu'à la fin du scénario, Dany reste dans la bagnole en vous attendant. Ouais, mais Dany, il sait pas conduire. Oui, mais t'inquiète. Et si, il sait conduire autant, aussi bien qu'un cops. Ouais, c'est ça. Ce que je disais, il sait pas conduire. C'est ça. Ouais, il a minimum 7, c'est bon. Il sait conduire suffisamment. Il sait conduire un minimum. Voilà. Bon, remarque, tu me diras pour franchir la barrière d'entrée. Non, je pense pas qu'il y a besoin de la bagnole, c'est ça, bon quoi. C'est après pour sortir qu'il faut que ce soit un peu plus touchy. Bah, ça dépend hein, s'il faut éviter les élèves ou pas. Mais souvent, c'est dans ce genre de cas, un bon coup de klaxon, c'est souvent assez suffisant. Surtout quand tu te balades en bagnole dans un campus. Hey, on a qu'à prendre une voiture de cops, comme ça on mettra le gyrophare, ça sera cool. Ouais, vas-y, je t'attends de voir comment tu vas réclamer la voiture de cops. Vas-y. T'as plus ta Alors blague, par contre, je pense qu'il vaut mieux éviter toute trace de notre présence. C'est-à-dire, on met des gants, hein. Éventuellement, si on évite d'ouvrir le feu, c'est cool, hein. J'ai pas d'armes. Ouais, mais par contre, je veux dire que si on est en mission de sauvetage et que Pelican décide de dessouder Wack Junior, je peux te dire que là, il faut qu'on ouvre le feu, et rapidement. En même temps, tu verras ce moment-là. Ouais. Ouais. Alors. On va dire qu'on est bien d'accord qu'on utilise qu'en cas de extrême nécessité, mais que le fait que Pelican essaye de dégommer Wack Junior, c'est un cas d'extrême nécessité, forcément. Oui. Certes, mais dans l'absolu, s'il y a moyen de faire extraction du gars sans tirer sur partout, c'est mieux. Bah quoi, on peut demander à notre spécialiste qui stoppe les balles de sniper avec la cuisse, hein, ou le bas-ventre, je sais pas. Je vais toujours essayer, mais je promets rien. Hein. Sera assez, il a que deux cuisses. Hein. Oui, c'est ça. Mais justement, ça fait déjà deux balles. Non, mais pour l'instant, voilà. C'était avec son torse hein, qui les arrêtait. Hein. Non, ouais, avec il y a deux genoux, ça fait trois balles. Ah mais avec il l'autre a des dents, côté hein. que l'appendice. Bon bref, moi je dis que les sauveteurs vont armés quand même, hein. Même si on n'est pas censé ouvrir le feu. Ah oui, mais bon, on sait jamais s'il y a une connerie. Bah. Voilà. Ouais. Par contre, je dis aussi que si Panigan essaye de buter Wax et qu'on est obligé d'ouvrir le feu, le mieux c'est de blesser Panigan, c'est pas de le buter non plus. Oh. Je pars du principe que vous avez toujours vos tonfas, hein. Vous avez rendu. Pour ceux qui veulent les prendre. On va dire qu'un tonfa face à un Magnum 747, le seul soufflant capable d'abattre un troupeau de bulldozers d'une seule balle, ça fait léger quoi. Ah bah ouais. Je pense que t'as pas assez affronté un troupeau de bulldozers. qui a une arme en fait d'ailleurs? Toi? Ouais. Ah bah c'est vrai qu'on a plus nos armes de service. Bah non. Bah non. Bah ouais, bah voilà, donc ça réduit beaucoup le champ. Hein, moi j'ai encore mon flingue perso, donc bon, ça va, je suis encore armé. Bon bah y a aussi Cocoon. Des armes. Obi et Cocoon. Enfin, il y a. Bon bah ça va être ton fois pour tout le monde. Et plus bourrin quoi. Ouais, c'est ça, c'est. Elin. Ça va être tonfa pour tout le monde, et puis flingue pour ceux qui ont les moyens de se payer des flingues, hein. Bah, il y a Headshot qui a un flingue, et ATM qui a un flingue, voilà. Bah, c'est forcément, je suis hispanique, donc forcément, je suis un peu cubain sur les bords, quoi, tu vois, le côté communiste et tout. Qu'est-ce que ça va avec cette conversation. Bon, bref. Donc, je vous signale qu'on essaye de sauver nos miches, là, hein, donc il va falloir être... Moi, j'attends que vous me dites à quelle heure vous infiltrez le campus.
Bah, il a dit cette nuit, la nuit tombe à quelle heure? Non, il a dit à minuit. Cependant, on va peut-être être là un peu plus en avance. Non, ouais, il faut surtout suivre Wax Junior, hein, parce que c'est lui qui va nous mener. Si c'est pour suivre Wax Junior, il faut y aller le plus tôt possible pour retomber dessus. Ouais, et évidemment. Sinon, de toute façon, actuellement, il est chez lui, donc on peut attendre chez lui jusqu'à ce qu'il parte. On a récupéré. Bah ouais, moi j'avais pensé à ça aussi, effectivement, mais que le. Voilà, à la limite, ce que je serais tenté de faire, c'est. Parce que, a priori, Wax, il va y aller. Donc, on l'intercepte avant qu'il y aille. Il y arrive. Sur le trajet, bref, voilà. On lui dit gentiment de pas y aller. Alors bon, il va gueuler parce qu'on est un peu, pour lui, on est le tueur de son père, donc ça va être un petit peu chiant à négocier. Mais moi, je pense que. Du plan là. Bah, moi, je pense qu'un bon coup de poing quelque part, voilà, ça le met par terre. Du calme, du calme. Et après, on se fait passer pour lui. Alors, je vois deux objections majeures à ce plan-là. La première, c'est que si Padigan ne voit pas Wax, il va peut-être pas lui dire des choses intéressantes qui pourraient nous sauver les miches. Et deux, s'il le voit pas, il risque pas d'essayer de le buter, ce qui fait qu'on saura jamais si il voulait le buter ou non. Et surtout, ça nous mettrait notre ami Wax dans la poche, étant donné qu'on va lui sauver les miches ou tout. L'autre, donc, d'où la question, quel intérêt de le prendre et de se pointer à ça? Éviter que le gamin il y soit, quoi. Ouais, t'es bien conscient qu'il y ait une chèvre, en fait. Et que il faut qu'il soit là pour que l'autre lui... S'il essaye de le buter, on a des preuves parce qu'on filme et on l'enregistre. Hein, et on essaye de sauver les miches de Wax. Ouais, mais... Et s'il lui confie un truc, on l'enregistre. Si tu foires le sauvetage alors que tu l'enregistres... Oh la vache. Vraiment, c'est tout ça. Non, alors, qu'est-ce que vous non connaissez... assistance à la personne en danger. Vous comprenez pas dans le principe de la chèvre, à la base. Elle est là pour bêler pour que le prédateur se pointe. Oui, mais si la chèvre meurt, ou... ça me semble... Enfin, je sais pas, c'est... Je suis pas forcément fan. C'est couillu, mais à situation désespérée, acte désespéré. Hein. Parce que c'est sûr que si vous pouvez vous prendre quelques semaines en tôle avant de sortir, moi. Alors cependant, faut pas oublier aussi que on va intervenir dans l'école et que dans l'école il y a plein d'étudiants. Donc si on veut agir avec violence, il y a de grandes chances que des étudiants qui n'ont rien à voir avec l'histoire se retrouvent pas très loin. Alors, il y a toujours un connard pour se mettre devant la balle. Si Padigan veut lui dire quelque chose en douce, sans que ça le sache, ou même s'il veut le liquider, il va certainement le faire dans un endroit calme où il n'y a pas grand monde, voire personne. Hein, parce que je le vois mal en train de le dessouder en plein public. Certes. Je le vois mal aussi confier « Hey, tu sais, c'est machin qui a tué ton père » en plein public aussi, quoi. Ça me paraît assez... Bah si, ça me semble pas forcément déconnant. Ouais, mais dans ce cas-là, on pourra l'enregistrer avec le micro-canon. Voilà. En plus, s'il est en plein public et qu'il commence à y causer... Bah de toute façon, si, au micro... si on l'enregistre et qu'il dit « Bon, bah les tueurs de tes trucs, c'est Lynn Greyreich, Guillermo Gonzalez, Denis Kylian, Christopher Hawkins, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse ?» Bah justement, on va le voir en disant « Coucou, il paraît qu'on cause de nous, voilà, on s'invite. » Ouais, alors moi non, hein. Clairement non. Je ne veux pas que. Je veux que personne sache que j'étais là-dedans. Mais alors vraiment du tout, quoi. Je sais pas, si tu t'invites à côté de Wack Junior en disant dis donc, moi je peux te dire qui a buté ta petite amie. Et puis je peux te dire aussi que ce qu'il te raconte c'est des gros bobards et que grosso modo t'es en train de te faire manipuler de A à Z. Et il croit oui, justement. Le gars qui est dans la même code que lui ou toi? Bah justement, c'est ça. Et tu crois après avoir discuté avec un jardinier, j'ai les doutes. Est-ce qu'il va te croire toi ou est-ce qu'il va croire est-ce qu'il va croire le mec qui est censé avoir tué son père? Attendez, et si on ne réfléchissait à tout ça au moment où ça arrivera? Ben on va faire d'aller. Oui, je propose de passer. Comme des bons joueurs de jeu de rôle. Si on improvisait, de toute façon, le plan va foirer. Donc autant passer à la pratique, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Il y a un peu de ça, ouais.
Moi, j'ai quand même, je vais pas poser une objection, vous ferez ce que vous voulez. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous ferez après que vous ayez récupéré des infos ou pas d'infos? En fait, vous allez faire quoi la prochaine étape en fait sur tout ça? Bah c'est, en fait, on va faire en fonction de ce qu'on récupère, quoi. Soit il essaye de le buter, soit on a des infos, mais en fonction de ça, on prépare le next move. Moi, mon but, c'est juste de faire. Alors, je te dirais que pour le coup, tu devrais préparer le next move maintenant, en fait. Moi, ce que je pense, c'est que. On sait pas trop ce qu'on va faire. On essaye de trouver n'importe quoi, toute information là-dedans qui relie Padigan à. Et l'école à ce trafic de drogue. Trafic de drogue, c'est éprenable. Et une fois qu'on a ça, une fois qu'on a la preuve qu'il y a bien un trafic de drogue, idéalement, moi, j'aimerais bien qu'on ait, genre prendre des photos par exemple, photos géolocalisées, et comme ça, on pourrait l'envoyer aux quelques personnes qu'on connaît de la haute cour qui étaient présents, voilà. Et qui sont à des postes assez importants, quoi. Il y a un... Oui, pour qu'ils fassent le ménage, voilà. Ce que tu avais proposé la semaine dernière. A priori, on s'oriente vers le fait que la haute cour ignore qu'il y a une brebis galeuse qui est en train de monter un méga trafic de drogue à l'ornée à leur barbe, et qu'on va compter sur eux pour essayer de blanchir. Je vais juste résumer. Là, en gros, le but de la mission, c'est 1. Éviter que Wax se fasse buter, et 2. Trouver un maximum de preuves. Voilà. Voilà. Donc en fait, de base, t'as pas besoin d'aller convaincre Wax, le jeune Wax, de quoi que ce soit. Non, mais sauf. Non, mais voilà, non, mais c'est par rapport à l'objectif global que vous fixez. Après, tu peux faire ce que tu veux, mais j'essaie de resituer. Ah, moi, personnellement, le Wax, clairement, j'en ai juste rien à foutre. Hein. Moi, si j'ai la preuve. Si j'ai Saint James qui, James là, ou Padigan, qui pose devant 3 tonnes de bicarbonate de sodium, il est fait, mon gars. Hein, Non, mais si, on en a quelque chose à foutre que s'il est de notre côté, il peut oui, faire il peut balance et donc il peut aider. Ok. Et ça bon. ça vaut vraiment le coup. Alors, une chose, on en a à foutre d'un même bon pied, quoi. Qu'est-ce qui avait déjà été à l'école Lomax avant repérage? On est tous allés, hein. Est-ce que t'as vu des employés... À part les gars de la sécu, tu veux dire de nettoyage, en fait. Des mecs... Bah oui, il y a le jardinier, par exemple, et autres conneries, quoi. Enfin, les mecs qui taffent là-dessus, quoi. Ils étaient en combinaison d'une entreprise extérieure avec Clairement pas. Non, clairement pas. C'est en interne. J'aurais essayé de choper un truc, un hispano dans une combinaison en train de passer la serpillière, ça évoque tout sauf un truc suspect. Ça aurait pu me donner un bon truc pour essayer de me fondre dans l'école aussi, mais bon. S'il n'y a pas, on laisse tomber. S'il y a de la chaud, tu pourras fondre dans l'école, hein, si tu veux. Ouais, c'est pas trop mon envie. Par contre, à mon avis, si je me trouve en prison, il y a de fortes chances que je termine dans de la chaud vive aussi. Ouais. Bon, bref. Donc, qui va en espionnage, qui va en équipe de sauvetage? Alors, sauvetage. Je conseillerais qu'on bouge quand même tous ensemble, hein. Même ah oui, si non, vous on avez bouge tous ensemble, c'est pour savoir les deux équipes vont se séparer un moment, quoi. Donc savoir déjà qui ouais. est long, quoi. Moi, je dirais. Je serais bien pour la mission espionnage, moi. Ah, il y a aussi un autre élément, c'est que si sur le trajet on rencontre l'ancien vigile de la sécu de Medusavolt, il y a peut-être moyen de le faire parler. Il y a peut-être moyen de le faire parler violemment. Foutu pour foutu, on lui envoie une patate dans sa gueule, il va parler. Ah bah ouais. Ouais, ça peut être sympa ça. Ah, je peux m'en charger aussi de la patate de la gueule. Oui, Ah, par contre, s'il y a du grabuge, on verra forcément le type de la sécurité. On pourra presque l'embarquer. Oui. Pas bon. Mais à mon avis, celui-là, il doit être costaud quand même. Mais, Ouais, mais voilà. on est 5. Oui. 4. Ouais. On est 4, et en plus, on est du coup. Grosso modo, oui, sauf que. Voilà. Si lui, il hurle, c'est fini pour notre gueule, hein. Donc, C'est con, si on avait des tasers, ça aurait été plus simple que des tonfas. Et sinon, comment on appelle ça? En même temps, t'as qu'à payer ton taser. Je te merde. Alors, c'est quoi la couverture qu'on utilise pour nous déplacer dans le truc? Est-ce que... Une
couverture noire comme des ninjas. Oui, d'accord, mais si on, si on nous, on si on nous chope, on dit quoi? On dit, je sais pas, on s'est promené, on a vu de la lumière. Je m'appelle Pedro et je vais chercher mes affaires pour le bailler. C'est très mauvais. Ouais. Ouais, c'est. J'essaye d'improviser, c'est pas facile. Oui, on improvisera sur le tas. Depuis ce que j'ai entendu. Bah, si on se fait choper, c'est simple, c'est du genre, bah. Mais pourquoi? Il y a la fameuse conférence sur les hackers. On est sur les hackers, vous allez pas vous faire et choper de toute façon. Ouais, mais bah, ça nous réveille. On a attends, beaucoup de temps pour autre chose de toute manière. Donc. C'est clair. Il faut juste voilà. Pas foirer ses jets de discrétion. Motivation, on y va? Ouais, en avant toute, action! Allez, Dora, vas-y devant. Bon. Donc, du coup, au niveau des équipes, qui s'occupent plus ou moins de la fille? Enfin, on garde les deux équipes splittées ou est-ce qu'on passe tous comme des bourrins? Non, faut toujours une équipe de surveillance, mais en sauvetage, en de l'équipe de sauvetage. Ok, bah moi je suis. Peut-être plus pour la surveillance déjà, mais après, si on a d'autres qui veulent me rejoindre, vendu. Bah, moi j'ai dit que j'étais dans la sauvetage, alors je vais me mettre dans la sauvetage. Ok. Donc, du coup, on a un capitaine d'équipe, c'est bien. Moi je serais plutôt dans la recherche d'informations que dans le sauvetage. Donc, aussi, quoi. Ouais, pour rien à foutre. Go. Parce que, clairement, hein. Je préfère qu'on reste anonyme et comment dire inaperçu dans cette histoire plutôt que de se rendre visible et essayer de sauver un Gus, voilà, qui a de toute façon qui est orphelin, qui sert à rien, quoi. Oui, mais on est des cops et on est censé servir et protéger. On est des cops. Alors techniquement, t'es ami à pied, hein, je te rappelle. Ouais, mais ça empêche pas que on va pas laisser. Cops un jour, cops toujours, mais. Un connard mais se fait dessouder alors qu'on aurait pas. C'est pas ce qui est marqué sur son t-shirt. Hein. Ouais. Mais du coup, bah. Voilà, mais la question c'est s'il n'est pas en train. S'il n'est pas menacé. Ah bah s'il n'est pas menacé, on fait rien. On récupère juste voilà. Les informations et on se casse. Ça me va. Bah oui. On va dire que ça va s'en dire, mais tellement mieux en le disant. Ok, donc on y va quoi? Genre une heure en avance, une heure et demie? Ouais. On y va en avance, puis on a récupéré tout le matos du sac à dos parce que il y a peut-être des chances que ça se termine en un moment ou un autre. En termes terminés, ouais, vous récupérez tout ce qu'il y a dans le cimetière. Et c'est quoi le matos du sac à dos, ce qu'il y a dans le sac à dos? Alors je rappelle. Hein. Elle est où la morte? Ah voilà, poisson. Alors, il y avait les dossiers, enfin le disque dur, donc ça vous l'avez plus sur vous. La carte magnétique aux couleurs de l'école, où il y a un numéro et une lettre sur la carte. Est-ce que ça te dit quelque chose, Christopher, ce numéro? Attends, sur la carte magnétique, là, de la Miss? Ouais. Toi qui es rentré dans l'établissement. Tu me fais un jet de... Pour le coup, c'est pour t'en rappeler, parce que... Mm-hmm. Et ça va être éducation. Parce que bon... C'est une carte magnétique avec le logo de l'école, bon. Il y a un numéro. Par contre, utiliser la carte magnétique d'une morte, c'est le meilleur moyen de que le chef de la sécurité se pointe vers nous. Bah, excuse-moi, on a utilisé le pass de l'avocat Wax et un jour après sa mort. Hein. Je dis que ça doit être pour sa pure de toute façon, bah pro l'info j'ai fait deux mais. Bien sûr, elle aurait mis avec le masque de cérémonie et le disque dur la chambre de la carte de sa piole. Donc. C'est jamais. Oui, ça te dit quelque chose, ça doit correspondre à quelque chose sur le plan. Alors, de mémoire, tu te souviens pas exactement quoi sur le plan, mais tu te souviens que le plan, t'as des chiffres et des lettres sur le plan. Eh bah, ouais. Je vais fouiller ça de toute façon. Bah, quitte à être arrivé sur le campus, du coup. C'est un plan armo-jambo. J'ai rien. 9 lettres, pas mieux. C'est un plan armo-jambo. Mais j'ai pas compris ce que Cocoon disait. Moi je disais que on va se mettre en recherche d'un plan rapidement, quoi, histoire de mais voir où est-ce que ça peut être. Vous êtes pas encore sur le campus. Une fois qu'on y sera. Donc vous récupérez les micros dans le cimetière, vous les récupérez plus tard? Si vous vous mettez à 3 pour chercher un plan, est-ce qu'on peut baptiser ça un plan à 3?
Non. Alors, on va essayer d'avancer quand même dans le scénario, hein, oui. Monsieur Tlon. Oui, on va au cimetière et je récupère les micros qui sont au cimetière. Et j'en ai équipe. De toute façon, on cherche des preuves au passage, donc si on peut écouter un truc du coup, il me semble de mémoire qu'on en avait 4 de micros, non? Ou 3? Ouais, mais ils étaient pas tous au cimetière. Non. On avait au moins 2 au cimetière, je crois. Ouais, et ils sont un au moins. Du un coup, seul que t'avais je transfère les données, je transfère les données, voilà. Et puis je les redonne. Et voilà, au moins on est deux à avoir. J'en donne un par équipe, au minimum. Hein, parce qu'on va peut-être se séparer. Bon, on va jamais. Oui, c'est un à 4, effectivement. Mais... J'étais pas sûr que les deux autres étaient disponibles. Au moins, je crois qu'il y en avait que 3. Mais Par contre, le micro-canon, on va peut-être pas s'encombrer avec, je crois. Hein, Ça me paraît assez gros quand même comme machin. Donc... Bah, c'est un truc à la taille d'un pistolet avec une parabole. Ouais. C'est un micro-canon. Quoi. Voilà. Ouais, mais je sais pas. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas une espèce de petite valise derrière pour le. Non, non, non. Pour l'alimenter, le machin. Et puis, je suis pas super discret quand même, même si. Je sais pas. S'il y en a un qui a une stat en électronique, je pars du principe qu'il peut le monter et le démonter, la parabole, pour que ça prenne pas de place. Oui. Et que tu peux le ranger dans un holster. D'accord. Mais par contre, ça lui prendra un moment pour le remonter et pouvoir réenregistrer. Enfin, un moment. C'est-à-dire qu'il pourra pas enregistrer une conversation qui surprend tout de suite. Bon, pourquoi pas. Voilà. Donc. Bah, vous allez go, tous hein. Vous faites quoi alors? La filature depuis la maison de Wax ou vous allez directement au campus? Bah, ceux qui font l'infiltration dans le campus restent dans le campus. Et ceux qui font la surveillance doivent filer Wax. Je propose ça. Et comme ça, dès qu'on sait où est Wax et où rencontre Padigan, on prévient la surveillance pour qu'elle le change. Ok. Bon, d'abord ceux c'est qui. Alors, on va commencer par ceux qui font la surveillance de Wax. Donc, vous allez à la. Comment ça s'appelle? À la maison des Wax pour voir un peu quand est-ce qu'ils vont partir, quoi. Alors, comme c'est un peu à l'enterrement, il y a un peu beaucoup de voitures. Et pas mal de voitures avec des vides fumées. Vous savez, ça va être tendu, ça va vous demander quelques jets pour trouver. Mais l'enterrement, il a eu lieu ce matin, là on est tard, non? Ah ouais? Et alors? Putain. Non, mais ils attendent devant chez Wax? Non, ils sont dehors chez Wax. Ah oui? Bah oui, voilà, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Mais il y a beaucoup de monde, quoi, donc. Oui, c'est la veillée funèbre, quoi. Non, la veillée funèbre, c'est avant. Normalement. Ouais, oui, bon, bref. Mais bon. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, vous attendez, et après, vous allez me faire un jet de perception pure, pour le coup. Pendant ce temps-là, au campus, vous rentrez comment dans le campus? Bah, moi, j'ai toujours les fringues avec moi, du coup, donc c'est plus facile pour rentrer. Bah, du coup, j'aurais tendance à dire. Toi, vas-y. Va essayer de débrouiller un plan parce que tu peux rentrer sortir plus facilement que moi. Et si tu arrives à trouver un plan et où on sait, tu ressors et on rentrera, on va dire par le coin habituel et on s'infiltrera plus directement. Ok, bah après de toute façon il y avait pas. Enfin normalement j'allais choper des fringues pour. Ah non, j'ai pris que des. Moi j'ai qu'une écharpe de prof. C'est bien ce qui me semblait. Ouais. Bon bah écoute, je vais faire ça. Et puis de toute façon, ça va pas me prendre 15 plombes de chercher sur le plan. Donc je vais voir ça. Okay. C'est bien pour toi, Kram? Tu vas tout seul, c'est ça? Pour l'instant, ouais. Après, je verrai avec Obi une fois que j'aurai. Au pire, ouais. Ouais. Oui. Bon, tu rentres. Bâtiment ouvert. Et tu regardes un plan. Clairement, la carte, elle donne, c'est une carte du réfectoire. Ok, d'accord. Bon, c'est... Enfin, la carte, autant. Bah, c'est ça, le numéro de la carte, c'est ça que tu cherchais, hein. À moins que je me trompe, mais... c'est qui correspond avec le numéro sur la carte, quoi. Voilà, le numéro correspond au bâtiment, et le bâtiment, c'est celui où il y a le réfectoire de l'école, et la lettre correspond, a priori, au... comment s'appelle... à la cantine. Ok, d'accord. Enfin, à l'arrière de... aux cuisines. Ok, bon bah écoute, dès que j'ai ça, du coup, bah à la limite, je t'appelle, Lynn, pour te transmettre l'info. Au limite, même, je t'envoie un SMS pour t'envoyer l'information. Ouais. Comme ça, au moins, c'est plus discret, déjà, que dire « Ouais, j'ai trouvé la carte ».
Et bah, limite, toi, autant qu'on y est peut-être à deux, hein, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Quitte à avoir de l'avance. Ouais. Au moins s'approcher et voir un peu ce qu'on peut essayer de voir. Enfin, voir ce qu'on peut essayer de trouver surtout. Ouais, bah du coup, je vais faire ça. Je vais mettre l'écharpe et je vais rentrer. Ok. Donc okay. Tu rentres, tu mets l'écharpe et en fait tu vois que les étudiants ils te regardent. En fait, ils ont l'air. Après, en fait, tu te rends compte assez rapidement qu'ils te laissent passer, en fait, qu'ils se dégagent la route devant toi, quoi, en fait. Mmh. Bah, je suis prof, quoi. C'est ça. Oh, le pouvoir que tu as d'un coup là. Ah bah ouais, charisme plus 5 quoi, de base. Quoi. Ça. Bah, je vais peut-être rester un peu à l'écart parce que du coup, si je me fais ficher d'un côté de toi, ça. Bah, de toute façon, grosso modo, une fois que je suis rentré, je vais pas non plus me balader en plein centre, oui, bah, de la cour. Tu vas direct là où t'as besoin, où tu vas. Oui. Où tu vas, ouais. Aller. J'essaie de rester à peu près discret, quoi. Ok. Pendant ce temps, de l'autre côté, les deux, vous me faites un jet de perception pure avec 3 de réussite. J'accepte en cumulé, hein. Donc vous êtes à 2, ça devrait le faire quand même. De quoi? Jet de perception pure. Ah, pour eux deux. Allez, Guillermo. Ouais. Perception pure. Ouhou. Un seul succès. Bon, il faut que... C'est l'équipe d'infiltration qui doit faire ce jeu. Non, toujours pas, c'est toi. Putain, il faut suivre un peu, hein. Oui, donc... non, mais j'ai déconnecté. Hey, Denis, fais ton jet de perception. Merci. Bah, joli. Joli. Donc, vous croyez que ça doit être la voiture... Ah bah, vous reconnaissez la voiture de Wax, celle que vous avez que Denis, il a poursuivi. Non, c'est Tlon qui l'a poursuivi. C'est moi qui... Ouais, c'est Guillermo qui l'a poursuivi. Guillermo que t'as suivi. Guillermo. Tu la reconnais. Elle est déjà sur le campus? Non, Lampelouza, non pas sur le campus, Lampelouza. Vous êtes devant chez Wax, je rappelle. Ah oui, donc elle est bien... C'est bien, oh la vache. Super, waouh. Non, faut suivre les gens. Non, les foudres de guerre, là. Oui, les foudres de guerre, tout non, à fait. Bah, dans ce cas-là, on va se mettre en planque et puis on va attendre. Tu veux dire qu'elle se barre devant toi et toi, tu te mets en planque? Ah non, je croyais qu'elle... J'ai pas compris qu'elle se barrait. J'ai compris, ah si, si, c'est ça, vous attendez qu'ils sortent, hein, et je vous dis, vous spottez la voiture. Bah justement, dans ce cas-là, je la prends en filature. Ok. Bah, c'est qui conduit? Bah, c'est moi. C'est sûr, je peux conduire aussi. Hein. T'inquiète. Bah, c'est la voiture de qui, en c'est fait sûr, hein. Parce que... Il y en a deux qui te posent la question avec assistance, je suis pas sûr qu'ils soient rassurés. Ah non, moi je m'en fous, hein. C'est pas avec assistance. Il y a pas de brouillard et on n'est pas de nuit. Je vois pas où est le problème. Donc tu me fais un chat de coordination discrète. Enfin, si, on est de nuit, hein. Mais, Oui, vous êtes de nuit. Ah, tout de suite. Coordination discrétion. Génial. C'est un succès. Oui. Enfin, il y a un succès. Oui. J'ai un point d'ancienneté. J'ai un point d'ancienneté. Hein. Bah non. Bah vas-y. Il en faut deux, hein, pour une réussite là. Bon, moi. Il faut deux pour une réussite. Hein. Oui, donc il te faut au moins tu craques un point d'ancienneté. Ouais, bah voilà, je craque mon point d'ancienneté. Ok, ça me va. Donc réussite. Ah, il y a rien l'expérience. Dire. L'expérience. T'as surtout du cul, hein. Bon. Bon, ok. Donc, a priori, ouais, vu le trajet qu'il prend, il va à la Lomax. De retour à la Lomax. Bah, on va déjà prévenir les autres. Bah, vous avez reçu un SMS comme quoi ça a lieu... Enfin, la carte nous envoie vers le réfectoire. Bah, on te répond qu'il s'est mis en route et qu'il se dirige vers l'école. Voilà, réfectoire. Vous arrivez dans les... Vous allez direct aux cuisines. À cette heure-là, il y a pour l'instant, c'est tout éteint. Hein. Mmh, ouais, logique. La clé ouvre bien toutes les portes du bâtiment. Toutes les portes du bâtiment? Ah, d'accord. Bah, celle que vous arrivez devant une porte, vous testez, ça s'ouvre, quoi. Ouais. Après, vous faites pas toutes les est-ce portes. Est-ce que... Ouais. Est-ce que... Alors... Je vais. Est-ce qu'on peut se mettre en observation, voir s'il y a des gens qui viennent dans le réfectoire à cette heure-ci et qui disparaissent entre guillemets, alors, quoi, tu vois, enfin qui
Parce que à Star 6, je pense que déjà en réfectoire, il devrait pas en avoir beaucoup, quoi. De mettre dans le réfectoire et de surveiller les entrées et sorties du réfectoire ou de la cuisine, il y a moyen, en plus comme tout est éteint, de se planquer. Maintenant, si quelqu'un allume la lumière, ça va être un peu plus tendu. J'ai une question, Obi. Qui c'est qui avait gardé le masque, du coup? C'était pas nous, par hasard? Si, je pense aussi. Mais... Parce que oui, cette histoire de fuite, je serais curieux de voir s'il n'y a pas une marque ou un truc comme ça. Enfin, s'il y a peu, moi, je suis assez d'accord. Le problème, c'est que j'ai pas envie de rentrer tant que les deux autres sont pas là. Non, mais c'est pas question de rentrer, c'est juste de voir s'il y a un passage ou une marque, non, un mais... truc, quoi, tu vois. Non, mais actuellement, c'est ça, mais... sur votre heure, il est 22h. Ok, bon, bah avant que ça s'emballe, du coup, je chope le masque là, qui est avec nous et j'essaie de le mettre du coup sur mes visages pour voir si je vois quelque chose avec, quoi, tu vois, enfin à travers. Il fusionne avec toi, il devient vert et. Non, excuse-moi. non, tu vois rien. En inspectant avec sur les murs et trucs comme ça, y'a rien. Bah, il faut que t'allumes la lumière si tu veux vraiment bien voir, hein, pour le coup. Ouais, ça fait un peu cramer. Alors, du principe que vous avez des lampes torches. Hein. Est-ce que. Non, mais est-ce est-ce qu'on peut se mettre ailleurs que dans le réfectoire pour observer les entrées-sorties dans ce réfectoire-là? Alors, tu peux surveiller les entrées-sorties du réfectoire. Dans un par couloir, contre, tu vois, genre. Plan, y a des... Ils peuvent quand même rentrer par la cuisine parce qu'il y a d'autres accès à la cuisine, dont tout connement les accès extérieurs pour faire entrer la bouffe, quoi. Ouais. Restez dans la cuisine. Est-ce que vous faites le tour avant de vous surveiller peut-être de l'endroit? Parce que moi, clairement, vous êtes juste allé dans le réfectoire. Oui, bah oui, on va faire le tour. Ok, perception. Éducation, perception, s'il vous plaît. Hein? Ah merde, excuse-moi, ça marche pas. On est droit de cumuler les deux stats. Perception, sens de flic alors. Bon, c'est perception, quoi. C'est un peu le toc, hein, l'instinct de flic. Deux succès. Ah merde. J'ai à la con. Ça va. Ok, Lynn. Petit succès, quoi. Ouais. En ayant à peu près le plan en tête et en faisant le tour, dans la cuisine, il y a une porte avec une clé qui a besoin d'une clé magnétique. Clairement, elle est pas sur le plan. Cool. Ah. Il est pas censé avoir de pièces derrière sur le plan. Est-ce que bizarrement la clé magnétique elle prend la carte de cantine du poisson rouge? Oui, ça ferme la porte. D'accord. Il y a que dès que les deux autres sont arrivés, on passera par là, hein. Tu regardes derrière la porte ou pas? Tu l'ouvres pas? Non, j'ai pas envie de faire de bruit pour l'instant. Ok, non, mais c'est pour savoir. Ouais, je préfère être à 4 de l'autre côté, quoi. Ok, parce que bon, si elle passe partout ou quoi, c'est chiant après, tu vois, il nous faut la clé. Oh putain. Alors d'abord, comme vous êtes en plan, vous allez me faire tous les deux un jet de discrétion si des fois quelqu'un passe. Pour Lynn et Cocoon ou... Ouais, toujours pour Lynn et Cocoon, comme ils se sont mis. Avec quoi comme carac du coup? Coordination? Sans froid. Parce que vous allez vous planquer à un seul endroit et pas bouger, quoi. Pouh. De succès. Je veux de succès de toute façon. Ouh! Zéro! Donc, clairement, Lynn. Je suis pas à l'aise là! J'ai un peu exagéré, mais c'est un peu Cocoon s'est mis assis sur une table. C'est bon, il fait nuit, on me voit pas! J'exagère. Ben, j'aurais tendance à dire que lui il est habillé en étudiant. Ah oui. Ça peut passer! Bah, tu sais, Oui, moi, sauf qu'il va se faire draguer par une équipe d'étudiants qui vont penser que c'est une nouvelle. Sauf que c'est censé être fermé à cette heure-là. Après, il peut me foutre un paquet et me dire fous-toi par terre, quoi, aussi. Non, oui. On va aller ailleurs. On va bouger un petit peu, tranquillement. Pour l'instant, je repasse aux autres. Qui était pas sur le plan, on peut y aller. Je repasse aux autres. Les autres, vous avez... Vous entrez dans Norwalk à suivre la voiture. A priori, elle va toujours vers la Lomax. Eh ben, on continue à la suivre. Ok, elle se gare pas loin de la Lomax et Wax sort à pied. Eh ben, on va se garer nous aussi et je pense qu'on va continuer à le suivre à pince parce que on va certainement pas rentrer en bagnole dans le campus Lomax. Tu m'étonnes. Ça risque de faire tâche. Par contre, en plus, on est en ninja ou on est en. Petit camarade qui m'accompagne, on fait quoi? On essaye de. Baratiner le mec pour rentrer ou est-ce qu'on fait le mur comme la dernière fois?
baratiner le mec, on pourra pas de toute façon. Bah, si vous avez les uniformes, ça passe tout seul. Hein. C'est la nuit. Je pars du principe qu'avec la carte, vous avez pu passer. Hein. D'accord. C'est la nuit, il faut une carte. Si on a la carte et qu'on passe, on fait vous, non, je parle des deux qui sont rentrés avant vous. Vous l'avez pas. Lynn et Cocoon, avec la carte, bah, vous a ouvert la porte, hein, la carte. Voilà, c'est ça. Sauf que de nuit, c'est fermé avec carte magnétique, je rappelle, la Sax. Ah bah pour nous, il faut qu'on fasse le mur. Voilà. Allez, à la Berlin. On envoie, juste au moment où il se gare, j'envoie un SMS, il s'est garé. Donc là, il a 300 mètres à parcourir pour aller au portail de l'Anomax. Bon, bah, on va faire le mur et puis après on va déplacer discrètement pour essayer de rejoindre une des... Ouais, bah on fait le mur au même endroit qu'on avait fait le mur la dernière fois. Donc, vous auriez dû venir plus tôt, en fait, je pense. Mais oui, c'est ce qu'on avait dit. Allez, j'ai d'athlétisme, enfin le Guillermo, ouais. il est jeté en l'air, et le dernier, c'est son jet d'athlétisme. Attends, c'est sur carrure, c'est ça, hein? Ouais. Bah oui. Une réussite, s'il te plaît. Oh bah... Mais en tout cas, je ne pas trop vite, hein, parce que... Des fois, ça se retourne. Oh bah, ça va, trop simple. Trop simple. Il te fait ça avec un double saltro vrillé arrière de toute beauté. Non, quand même pas, un seul. Bon, rentrez, vous êtes dans le campus tous les deux. Vous êtes habillés comment, s'il vous plaît? Étudiant, c'est plus discret. On est étudiant. On est jeune, on a plus facilité. Il fait nuit. Vous avez déjà été une fois dans le truc, bon, vous avez pas beaucoup pour vous voir, je vais pas vous faire refaire des jets pour le coup. Alors, on essaye de rechoper notre ami Wax de loin et puis de se mettre un peu en retrait, quoi. Jet de perception. Je veux trois réussites parce que vous l'avez perdu pendant un moment. Perception pure ou. Perception pure. Ouais, comme les produits laitiers. Pas de la perception. Eh, plus qu'une. Oh putain. Eh bah voilà. Yes. Ouais, je voulais 3, hein, j'ai dit. Hein. Et là, c'est pas en cumulé, hein, pour le coup. Ah, merde. Non. Cependant, vous avez un objectif. Vous avez vous savez où on est. Vous l'avez paumé. Hein, on l'a paumé. Bah, je pense qu'on va envoyer un SMS en disant « On l'a paumé et on se pointe. » C'est ce qu'on a de mieux à faire. Bizarrement, je pense que nous, on va le trouver dans pas longtemps. Oui, mais est-ce qu'il se dirige vers sa chambre? Est-ce qu'il se dirige vers le musée? Est-ce qu'il se dirige vers, je sais pas, la bibliothèque? À mon avis, il se dirige vers la pièce secrète de la réunion de la haute cour. Mais bon. Moi, je dirais, faisons 3 groupes de 1. On est 4. Justement, ça va être difficile. Bref. Dead challenge. Bon, messieurs, donc vous rejoignez les deux qui sont dans le réfectoire. Pendant ce temps, les deux dans le réfectoire. Bah, j'essaie de me cacher. Okay. Bah, je pense qu'on aurait évacué l'effectoire un petit peu, on serait mis pas trop loin. Oui, mais c'est ça. Mais dans tous les cas, vous recevez un SMS qui vous dit qu'ils sont derrière la porte et que c'est fermé parce qu'il y a besoin d'une carte magnétique. Hein. Ah, bah, on va leur ouvrir. Voilà. Bon, bah vous retrouvez tous les quatre dans ce bâtiment. Et pas rien. On a fait jonction. Donc, du coup, j'ai trouvé une porte secrète. Elle conduit dans un autre univers. Ouais. Par contre, nous, on a perdu notre ami Wax. Justine. Alors, j'espère qu'il va aller derrière la porte secrète qui est dans la pièce secrète de la haute cour. Sinon, on est un peu dans la merde. Eh ben, moi, de toute façon, mon but, c'est de trouver des preuves. Donc, les preuves, elles sont derrière la porte secrète, je pense. Hein. Si on part du principe qu'ils vont aller dans la porte secrète, derrière la porte secrète, donc dans la pièce secrète, est-ce qu'on n'a pas intérêt à y aller tout de suite pour s'y planquer? Oui, non mais tout à fait, je vous enjoins à y aller. Pas fait je fais un peu à rebours, mais je vous fais la radio quand même, qu'il y a eu le flash spécial. Vous étiez dans la voiture, parce que ça reste important de les faire. Radio Flash, bonsoir. Comme tous les soirs, vous êtes de nouveau sur les routes de LA. On prévoit un record d'embouteillage, cause de carambolage monstre sur la 110, la 710, la 405, la 605 et la petite 57. Pourtant, c'est sage. Norwalk, et l'étudiant de la Lomax machine à avocat retrouvé pendu cette nuit n'a pas subi de violence sexuelle. On a retrouvé le bras d'un surfeur disparu à
à Topanga Beach. Grand Blanc a déclaré le RCSD. 3 incendies à Norwalk, pas de victimes. On écoute tout de suite le dernier single de Mongoro. Fucka, Moza, With Your Nose. C'est bizarre. Bizarrement, j'ai l'impression toujours le même, le dernier single, mais bon. Ouais. Ouais, ouais. En fait, à chaque fois qu'il y a un single, c'est Fucka, Moza, With Your, et tu rajoutes une partie du corps. With Your Eyes, With Your Ear, With Your Nose, With Your Mouth, With Your Tongue. Dans tous les cas, vous êtes tous les quatre dans cette... Alors, je prends en photo le réfectoire et la porte secrète. Tu vois ? Il ne va pas y avoir qu'une seule entrée de toute façon. Bien sûr que si. Sinon, c'est pas rigolo. Comme ça, on est prêt au piège. Donc, on passe le badge, ça s'ouvre avec une espèce de fumée de vapeur et il y a des mondes d'eau chaman derrière, c'est ça ? C'est ça, en fait là je tire ma table de rencontre aléatoire. Et là t'as le générique de Doctor Who qui passe en musique là derrière en fond. Ok, donc vous entrez dans le. Vous ouvrez cette porte ? Ouais, je tire un 47. Il y a un escalier qui descend dans les profondeurs obscures. Mais j'aurais tendance à dire que le MJ a trop de goût pour mettre de la musique de Doctor Who quand même. Hein. Bon, on peut que être d'accord. Ouais. Alors, on va faire dans le classique, ordre de marche. Non, vous pouvez passer devant. Denis le premier, ouais. Moi deuxième parce que j'ai le gros flingue. Guillermo troisième. Et Christopher a le flingue derrière, voilà. Et donc moi j'ai fermé la marche et la porte surtout pour éviter. Non, toi t'es avant dernier. T'es avant dernier. C'est moi qui est en dernier, d'accord. Parce que j'ai une arme. Alors, c'est pas une raison. Simple, vous descendez et vous tombez sur un couloir où il y a plein de portes alignées et il y a d'autres escaliers qui. Vous voyez un autre escalier en face, par exemple. Et du coup, là le masque dit quoi ? C'est cool. Bah, le masque vous l'avez, après je sais pas si quelqu'un le met. Bah moi je l'ai toujours avec moi, je le mets pour voir. Ok, il y a certains endroits où il y a des symboles et des flèches. You ! Des flèches, qui mènent vers où ? Vers une porte. Écoute... Alors, les symboles ils sont quoi ? Ils ressemblent à quoi ? C'est celui de la bague. D'accord, je transmets ça à l'équipe en disant... Ça a dû être fait au pochoir d'ailleurs. D'accord. C'est sur des murs ? Ah ouais. Non mais si y a un symbole sur une porte, faut le dire quoi. Si un symbole sur... Sur une porte, tu vois. Oui. Parce que si c'est sur les murs, ça, c'est pas grave, mais si c'est sur une porte, genre, pièce secrète, ici qu'il y a des preuves, quoi. De toute façon, en gros, il y a des flèches qui... des flèches. La question, c'est, est-ce que vous laissez toutes les autres portes fermées, vous suivez les flèches, ou... On va... Le mieux, c'est... On va tester, on va regarder, ouais. Les flèches. Attends, on va regarder... Il y a deux infos, j'ai pas tout compris, là. Une personne à la fois. Je propose d'aller à la porte fléchée. Ok. Je fouillerai un petit peu dans les pièces d'à côté. L'idée c'est que sur le trajet, parce que grosso modo c'est un couloir avec quelques flèches, non ? Là actuellement, pour l'instant, vous êtes dans un couloir où il y a 6 portes qui sont pas tous du même côté, et il y en a une où il y a des flèches, il y a une ou deux flèches quand tu regardes au masque je vais regarder les autres, voir s'il y a un trou de serrure pour regarder. Je suis en train de poser une question là, est-ce que ce serait pas des portes piégées à la con justement, où seuls les initiés sauraient quelle est la bonne qui te pète pas la... Alors c'est quand même violent de faire des portes piégées dans une université, quoi. Surtout que ça a l'air d'être bien chiant pour le trouver, tu vois, et d'avoir le casque. Parce que, idéalement, tu vois, il va peut-être pas indiquer le trafic de drogue à tous les membres de la haute cour, quoi. Donc, idéalement, il va pas le flécher, je pense. Donc, moi, je veux inspecter toutes les pièces, ouais. Bah, passe devant. Non. Donc tu ouvres la première, en gros tu ouvres la première porte qui se présente, qui est pas celle qui est fléchée pour l'instant, et tu tombes en fait sur en fait encore un couloir qui doit faire à peu près la même longueur avec encore deux portes. C'est un labyrinthe. Donne-moi le masque. Attends. Non, je prends pas tout, hein. Un à la fois s'il vous plaît. D'abord, Cocoon, ok, tu veux suivre les flèches. Ouais. Tout le monde veut suivre les flèches. Ok, tant que vous changez pas d'avis, c'est pas la peine de me le dire parfois. Hein. Donne-moi le masque. Non, moi,
Moi je veux fouiller les pièces quoi, donc tu essaies d'aller vite, t'ouvres toutes les portes d'une salle et puis tu passes à un couloir suivant quoi. Ouais. Ok. Quelqu'un reste avec lui pendant que vous suivez les flèches? Si vous séparez, autant. Moi non. Et Lynn, ouais, ça moi, sert non. à rien. Ah d'accord. Bah on va voir. Pas forcément. On va voir, clairement. Et du coup, moi je demanderai que Denis tu restes avec moi. Ok. Ok. Elle choisit toujours le plus musclé. Donc, je te fais ouvrir des portes jusqu'à que je dise qu'il se passe quelque chose, hein, clairement. On est d'accord ? Ouais. Ok. Je passe aux deux qui suivent les flèches. Oui. Alors, vous passez les flèches, ça vous faites quoi ? Ouais, bien 200-300 mètres dans le dédale. Et vous ouvrez une porte. Et là, en fait, sur une porte, cette fois, il y a le symbole de la haute cour qui est mis sur la porte même. Allô ? Je t'écoute. Oui, mais je t'écoute, j'attends la suite. Je demande si vous ouvrez la porte ou pas, en fait. Ah oui, bon, je suis le truc jusqu'au bout, hein. Ok, parce vous que... ouvrez la porte, vous tombez nez à nez avec Justin. Avec ? Justin Wax. Justin Wax. Ah oui, d'accord. Wax Junior, qui est a priori dans une espèce de tenue avec le masque à côté, un masque comme le vôtre à côté de lui, parce que vous avez le masque, hein. Sinon, vous n'aurez pas pu suivre. Et il y a plusieurs, a priori, des espèces de trucs de prière, et il est à genoux. Et il se retourne vers vous. Ah merde. Bah, vous êtes entré, hein. Ouais, non, pas dit que vous prenez des précautions particulières, donc... Non, mais t'as raison. De toute façon, moi, j'ai le casque, donc il me voit pas. Ouais. Je suis juste l'un des seuls 4 suspects dans l'affaire, mais à part ça va aller vite. Bon, vous faites quoi ? La bonne question, là il se retourne, du coup il nous dit rien pour l'instant. Ah si, il vous dit ce qui se passe. Qui quoi? On va peut-être lui expliquer l'affaire, du coup, comme quoi ça pue pour lui, enfin ça pue pour sa gueule déjà. Tu le sais pas encore ça. T'es avec lui, hein. On est deux. Être long, t'es avec lui. Je te dis aussi, parce que forcément il va nous reconnaître vu qu'on a nos gueules qui sont là-dessus. Vos gueules, non, à part au début, depuis, vos gueules n'ont pas été mis beaucoup hein, vers la fin. Il y a vos noms qui ont été apparus, vos gueules ont beaucoup apparu au début de l'enquête, depuis quelques jours, les deux derniers jours, il n'y a plus... Son père est mort, ça va, il a eu d'autres choses à... Non mais c'est pour ça, on peut profiter un peu de l'effet de surprise du coup, et puis bon, ça doit peut-être pas être super éclairé. Dépêchez-vous, hein, il est devant vous. On est les nouveaux, mais on sait pas trop où on doit aller là, parce que c'est un peu le bordel. Il a aussi une épée de cérémonie au fait, hein. Ah merde. pour le coup, on va peut-être lui dire qu'on est là pour le protéger déjà, histoire que ça parte pas en carnage direct, parce que s'il est un peu nerveux et qu'il sort son épée. En fait, il sait pas trop quoi penser hein, pour l'instant. Oui, justement, quelque chose. Allez, un peu d'RP. On est les nouveaux, mais on sait pas trop où on doit aller en fait. Non, il y a qu'un seul de vous deux, qui a un masque. Hein. Oui, justement. Ouais, moi. Oh putain. Et là, il te regarde. De quoi, hein? Il comprend pas de quoi tu parles. Justin Wax? Oui. Non. Oh putain. Quoi non? Obi, tais-toi. Non. Laisse-le se démerder. Putain, on avait dit qu'on disait pas non, bordel. Il a pas encore dit. Il a juste dit Justin Wax pour l'instant. Laisse-le finir. Justement, et moi je lui dis, mais oh, putain, on avait dit qu'on disait pas non, c'est ce que nous a dit Monsieur Panigan, faut pas déconner, merde. Oh. Hein? Je referme la porte. Non, mais il a raison, je pense, là, de faire ça. Ok, et tu fermes la porte. Pour l'instant, ouais. Ok. The fuck. The fuck. Il va falloir qu'on rebousse chemin vite fait, bien fait, sans courir. Donc en marchant très vite. En même temps, si vous aviez ouvert les autres portes, hein, on serait allé plus vite. L'autre qui tourne encore dans le labyrinthe. putain, ouais, bah, du coup, putain, j'arrive pas trop à le sortir en RP. Attends, ça. Attends. Oui, mais c'est pas grave, hein, en même temps... Ok, pendant ce temps, ça ouvre les portes. Clouk, clouk. Alors, que je dise pas une connerie sur ce que... Sur l'ouverture de... Ah! Tiens, c'est très bien. Bon, s'il y a marqué couloir, enfin, placard à balai, je vais peut-être pas l'ouvrir, tu vois, mais... Non, il n'y a jamais marqué placard à balai, clairement. Mais si t'es à Poudlard, c'est intéressant d'avoir le placard à balai. Une des portes, et là tu tombes sur en fait un vestiaire.
Ah. Vestiaire où... Ah non, excuse-moi. Attends. Ouais, c'est un vestiaire où tu trouves des grandes capes, des masques et des épées d'apparat. Oh, masques, je vais m'habiller. Exactement les mêmes que les autres. Oh, je vais m'habiller. Et Denis, pareil. Hop, on s'habille. Bah, faut que je trouve une... quelque chose à ma taille. Non, mais c'est bon. Y'a, il doit y avoir. Y'a. Voilà. Et du coup, on continue. Ok. Les autres. Et je vous écris, je leur écris en disant qu'on a trouvé un vestiaire. Ok. Tu les attends, tu leur montres le vestiaire ou. Parce que bon, ça reste un dédale. Je pars du principe que vous. Je pars du principe de toute façon que, sauf en cas de course, vous allez pas vous y perdre, hein, parce que vous avez un minimum de sens de l'orientation. Voilà. Je l'envoie un SMS. S'ils me répondent, on arrive, du coup, je les attends. S'ils me disent qu'ils en ont rien à foutre, je vais continuer, quoi. Voilà. Mais, Ok. Réponse des autres. Super, nous on a trouvé Wax, on se pointe rapidos. Ok. Donc tu les attends, vous vous habillez et maintenant. Je continue peut-être à faire une ou deux pièces okay. À côté quoi. Jusqu'au tour. Ok. Ouais. Ils sont là, ils sont habillés. Qu'est-ce que vous faites avant que Je dois avoir certainement une grande pièce de cérémonie quelque part. Il va falloir qu'on aille là, maintenant qu'on a les toges et les masques. Alors t'as remarqué que devant Padigan, devant Wax, excuse-moi, il y avait une autre pièce. Hein. Il y avait une porte. Avec donc une autre je suppose qu'il attend. Donc il faut qu'on retourne voir Wax et cette fois on est habillé. Mm. Sauf que moi j'y retourne pas. Hein. Moi j'y retourne pas directement. Hein. Je veux faire toutes les pièces. Ah oui non mais y a pas de souci. Donc pour l'instant vous, y en a deux qui retournent voir Wax. Ok, pas de souci. Ok, tu continues les pièces. Après, vous arrivez devant la porte de Wax. Si les deux autres veulent m'aider pour aller plus vite, ça m'arrange aussi, hein, mais voilà. Ils font comme ils veulent, hein, pour... Oui, je propose, quoi. Ouais, mais on va... Quoi, tu veux voir Wax, et puis au moins, on va... Parce que le mec, il fait un trafic de drogue. Il va pas mettre son trafic de drogue dans la salle de cérémonie où il va inviter tout le monde. Voilà. Mais il va causer. Et il va causer, il va dire des choses, voilà. Oui, non, mais les deux sont vont bien, hein. Moi, vous énervez pas, hein. Non, je m'énerve pas, moi. Ok, vous êtes devant la porte. Il va dire quoi Qu'est-ce que vous voulez faire, maintenant que vous êtes habillé comme le truc de cérémonie Je dis que moi, il faut qu'on retourne voir côté Wax et qu'on aille de l'autre côté, là où il y a la pièce, où il veut causer à tout le monde. Alors... Maintenant, si on a d'autres qui veulent fouiller des pièces, qu'ils fouillent des pièces. Non, mais... On va pas y passer 36 000 heures non plus, okay. Putain. Tu vas la fouiller, ta putain de pièce. Répète, j'ai pas compris. Tu ouvres la porte et tu fais quoi La porte où est Wax? Ouais. Ok, il est toujours là. Oui, oui, il est toujours en train de... A priori, de prier, ou tu sais pas trop. Bah. Il fait une cérémonie, quoi. On va juste passer à côté sans bruit, cette fois bien habillé, et on va aller dans la porte de l'autre côté. Ok, t'ouvres la porte, y a une vingtaine de mecs habillés comme vous, de l'autre côté. Alors, dans ce cas-là, on va se mettre dans un coin, là, on va se faufiler, hop. Et puis on se met là, il y en a qui fait, la remarque que t'aurais pu passer par quand même une autre entrée et laisser Justine en paix. Désolé. Je suis nouveau, je sais pas par où aller. je me perds un peu encore dans le truc. Donc, tous les cas, donc tu es dans la salle de cérémonie. Alors... je vais essayer de vous envoyer une petite photo. Donc clairement, quand je dis épée de cérémonie, hein, c'est la putain de Claymore, etc. Quoi. C'est ça, hein, clairement. Attendez, je vais essayer de vous envoyer une photo de ça, parce que j'aime beaucoup l'image. Tu vas envoyer un clown? Non, je... Oh putain, j'ai mal. Voilà, hop. Je vous envoie ça. Hop, il est où le petit logiciel pour récupérer le screen. Poignet. C'est haute cour, c'est ça, ouais, c'est la haute cour. Que je ne mette pas mon haute cour. Ok, fichier. Image. Primary cops. Campagne. Haute cour. Voilà. Ah, une belle bande de vainqueurs. Ça arrive. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même, ouais. D'accord, c'est le caca. Ça me rappelle un scénario d'avant. Clairement. Ouais, ça déconne pas, quoi. Bon, voilà, tous les gens qui sont là, et vous compris, vous avez ces épées, hein. Ah, d'accord. Ça fait un peu croisade, quand même, non? Non, c'est pour dire justice à trancher.
Ouais, c'est ouais, alors clairement, que... vous avez eu en main, elles sont tranchantes. Elles sont affûtées. Putain, donc on est dans une bande de psychopathes, tous avec des épées affûtées. Tout va très bien. Tout va très très bien. Bon, vous avez un flingue quand même. Et pendant ce temps, comment s'appelle merde. Denis, tu vas dans un couloir et tu vois qu'il y a une porte qui est marquée d'une grosse croix rouge. Lynn. Ouais. Viens voir. Ouais. Je te montre du doigt la grosse croix rouge. Eh ben, on va regarder, hein. Tiens-toi sur ses gardes, on sait jamais. Je suis pas sûr qu'il faille regarder, mais bon. Du coup, la grosse croix rouge, c'est l'indication, ouais. C'est le plan du trésor généralement sur la carte. Alors, vous ouvrez la porte. Il y a plein de choses dans cette pièce. Alors, il y a un ordinateur a priori. Il y a des bidons d'essence. Oh. Et il y a des matériaux et des barils. Et il y a aussi Rob Chase. Mmh. Ah, Denis, à toi. Ah, c'est Lucky Target, à toi. A priori, il se retourne vers la porte parce qu'elle s'ouvre et il était en train de rouler un baril. Oh, juste au-dessus, juste au-dessus, juste au-dessus. Il faut juste qu'il fasse pas de bruit. Je l'immobilise. Moi, je ferme la porte. Pour pas qu'il y ait de bruit. Pour pas qu'il y ait de bruit. Alors, je préfère dire, clairement, les portes et les murs sont pas insonorisés. C'est-à-dire certes, que, certes, mais... Vous entendez les gens marcher dans les couloirs, hein, donc... on faisait dans les couloirs. Ah, mais je suis immobilisation. Oui, non, mais j'ai compris. Ouais, il est surpris, donc tu fais ton jet, il a pas de résistance sur le premier. Ah, mais il fallait me prévenir qu'on joue plus à Cops, mais qu'on joue à Luchadores. C'est très adapté. C'est sur carrure, hein. Ouais. Enfin, oui, parce que ça aurait pu être sur réflexe, mais ouais, carrure, là. Oh, mais en fait, carrure, je lui mets tout mon poids dessus, quoi. Ok. Pour le coup, comme c'est une immobilisation et qu'elle est réussie, je vais juste faire un petit test quand même de résistance, hein, au monsieur, hein, le pauvre, hein, il s'attendait pas à tomber sur des cops sans, des anciens cops enragés. Moi, je suis pas enragé, moi. C'est... Moi si. Quoi? À moi clairement. Okay, c'est bon. Il bouge pas. Tu l'as au sol. Je pars du principe que tu l'empêches de gueuler, hein, parce que. Oui. Vous êtes pas complètement. De toute façon, si je lui saute dessus, ouais, l'empêche trop, parce que le but c'est pas de l'étrangler, donc. Attends, techniquement, je lui saute dessus, je lui coupe la respiration au passage, entre guillemets. Oui, non, mais... En gros, tu le tiens, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous l'avez attrapé, quoi? Bah moi, je regarde Lynn. Attends, tu peux répéter ce qu'il y a dans la pièce, à part ça? Alors, là t'as le temps de regarder un peu plus en détail. Ouais. Clairement, tu vois qu'il y a un ordinateur allumé. Ouais. Tu reconnais un des dongles, le même dongle que Maître Wax qui est mis sur l'ordinateur. D'accord. T'as deux bidons d'essence. À l'odeur, tu sens que c'est de l'essence. Ouais. Et t'as des matériaux. Alors les matériaux en question, tu les connais pas plus que ça. Après, ça peut correspondre peut-être au matériaux. Et puis t'as un registre, donc tu peux regarder le registre. Ouais. Et ça correspond à peu près à ce que vous a dit le chimiste, en fait. Il y a des grosses quantités, ça fait une grosse quantité ou pas? Alors, tu connais... T'en as pas assez parlé pour savoir combien il peut en produire, mais il y a plusieurs barils, quoi, et plusieurs sacs, donc... disons que... On va en kilos, quoi, même en dizaines de kilos, peut-être. Ouais, tu comptes en dizaines ou centaines de kilos. D'accord. Alors, du coup, est-ce que l'ordinateur, c'est un ordinateur portable? Est-ce que c'est un laptop? Non. Non. Alors du coup, je vais analyser et fouiller un peu le contenu de l'ordinateur, vite fait. Ok. Il est branché actuellement sur les dossiers du LAPD. Avec un full access. Ok. Prends en photo. En fait, je vais prendre en photo toute la pièce, ainsi que les barils, etc. Et bien faire en sorte d'essayer de trouver un moyen de reconnaître qu'on est bien à la Lomax, en fait, à l'école. Si je puis me permettre, évite de me prendre en photo en train d'immobiliser oui, quelqu'un. Oui, évidemment. Le gars, il a pas l'air d'accord avec le fait que tu immobilises. Jette carreau, s'il te plaît.
Le même. Oui, oui. Alors, de toute façon, je... Attends, est-ce que je le menace avec mon arme? Je sais pas. S'il a eu... On va le fouiller. S'il a une arme, on va lui enlever, évidemment. Oui, oui, il a une arme à feu. Voilà, du coup, on va lui retirer. Alors, je vérifie, pour pas dire de conneries. Hop, s'il en a une, alors, il est où? Ou s'il a un tonfa, n'importe quoi. Ouais, il a un Colt Terminator 031. What? Sérieux? Le genre de machin qui te fait un trou gros comme un ballon de rugby quand ça tire. Non, pas tant que ça, mais presque. Ok, bah je... Voilà. Alors, l'idée... je prends en photo... est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le PC? Genre des... Moi, ce que je cherche, c'est des trucs reliés aux gangs, aux commandes en fait, de... Pareil que l'autre, en fait, t'as accès à tout son historique, en fait. Ouais. Sur les documents, est-ce qu'il y a la signature de quelqu'un? Un document? Oui, il y a la signature de Wax. Enfin, pas de Wax, excuse-moi, de Padigan. Ah... Oh putain. Oh, je vais le baiser. Donc, je prends les documents en photo et je les prends avec moi. L'ordinateur, je... Alors, en fait, j'ai un plan un petit peu sale. J'ai un gros plan un petit peu sale, messieurs. Moi, je pense que ça connaît ton plan et je te dirai vite, mais peut-être que je me trompe. Hein. En fait, l'idée, c'est que je voudrais foutre le feu à la pièce. Hein? Ben, il y a beaucoup de quantités de produits chimiques qui vont probablement servir à faire de la drogue. Cette drogue, elle va se retrouver dans la rue d'ici quelques jours. Si on crame tout, ça va empêcher le marché de se faire. Alors, clairement, ce que t'as à côté de toi, si je te rappelle, c'est pas n'importe quelle essence que t'as, hein, si tu as suivi, hein, tout le truc. Oui, c'est l'essence qui a servi à l'explosion du bombe, non, c'est pas ça? Ouais, mais pas quelle, c'est quoi comme essence d'après toi? C'est l'essence de voiture de course, non? Ouais. C'est pas un truc comme ça. Ouais, alors, la question... est-ce que les barils... Est-ce qu'il y aurait moyen de, par exemple, prendre les barils d'essence... C'est deux jerrycans, hein, qui a... Et de les mettre en sécurité, entre guillemets. Utiliser une partie, une toute petite partie de cette essence pour cramer tout le reste. Alors, le problème... Alors, clairement, le problème qui va se poser, en fait, si tu commences à cramer, c'est que l'incendie va devenir incontrôlable. Clairement. Bah, c'est le bâtiment qui va former. Hein. C'est que j'ai pas envie de. Est-ce qu'il y a des détecteurs de fumée ici, dans la pièce? Non, clairement pas. Non, non, ils sont en ligne. En fait, je veux saccager tous les produits chimiques. Je veux les vider, les mélanger à de la flotte, que sais-je. Je veux pas que le matériel soit réutilisable en fait. Bah, limite, reverse-les par terre déjà. Le truc, c'est que je sais pas ce que ça va faire pour le coup. Oui, ça va être dangereux, donc non. Cependant, si tu peux me permettre, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à faire? Pour le moment, il est seul dans la pièce, avec nous. Donc, résultat des courses, bah, on surveille. Point barre, c'est tout ce qu'on peut faire. Bah, l'idée, c'est que... comment dire? Je sais que tu veux te débarrasser des produits et compagnie. Oui, non, mais je comprends, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. J'ai bien compris, mais le truc c'est qu'on peut rien faire à part surveiller les produits pour pas qu'ils décampent de la pièce. Mais de toute façon, je veux dire, quand il va y avoir des problèmes, ils vont en venir ici. Et ils vont, enfin, le Padigan, il va le savoir qu'on est là, quoi. Et le mec qu'on a, enfin, le vigile là, qui est en train de les déplacer. Est-ce qu'il est déplacé d'un endroit à l'autre en fait, ou est-ce qu'il est, il est juste bougé de, il faisait de la place quoi. Il avait l'air surtout de faire de la place, de réunir de bien les maîtres. Enfin, tu peux pas être sûr à 100% quoi. Est-ce que je veux pas tenter un jet d'éducation pour savoir quels sont les produits chimiques en question et comment je peux m'en débarrasser sans foutre le feu à tout quoi. Tu peux tenter, je te demande 4 réussites. C'est pas ça. Se tente. Éducation pure, hein. Ah ouais, éducation pure. Il y a beaucoup de rouge, mais malheureusement. Ouais. 4 réussites, bon. Je peux pas, non, pas assez. Non, clairement, non. C'est pas vraiment, là, c'est ton. Là où ce que t'as étudié, quoi. Mais je pense que je vais le faire quand même. Je vais ouvrir les sacs et les. Déjà, si je joue les sacs et que j'entasse.
Cherche dans la s'il y a une bouche, s'il y a une bouche d'égout et puis. Non. Oui, ouais, ou un évier quoi, mais. Ou un évier, ouais, voilà. Alors ça rentrera pas, vous allez pourrir l'évier. Bah ça peut faire le job. Y en a pas de toute façon donc. Bah de toute façon, si j'ouvre les sacs et que et qu'on fait un gros tas de trucs marrons, un gros tas de trucs gris, un gros tas de trucs machin, ça va déjà les faire chier pour le transporter après quoi. Hein. Donc ça sera déjà pas mal. Alors sur le truc, il y en a au moins qui doit être, il y en a au moins ou deux qui doivent être dangereux hein, pour la peau. Hein, donc ouais. Transporter avec précaution. Bah, s'il y a des éléments que je trouve qui sont pas dangereux, c'est au moins un, lui par contre, ouais, je le dégage quoi, complètement. Le déverse, quoi. Ouais. Okay, mais bon, je le répartis un peu partout quoi, voilà. gros troll quoi. Bah oui. Bah, okay. De toute façon, cette drogue là, elle va enfin, ses produits vont finir sur le marché, donc au plus je retarde leur arrivée, au mieux c'est quoi. Moi je suis désolé, comme toujours quoi. Aux autres. Ok, vous êtes dans la cérémonie. Il y a Paddy Gann qui rentre, le seul qui n'a pas de masque, et qui annonce aux autres que Justine Wax va rejoindre la haute cour et que aujourd'hui nous allons l'introniser. Il déplore que son père soit mort et que pour perpétuer la tradition, il faut l'introniser. Ça ne pourra être que mieux pour nous, etc. Voilà. Mmh. Et bientôt il fera partie des nôtres et il respectera nos sacrements les plus sacrés. Voilà. L'un des nôtres. Non, tu te tais. Ouais, non, coup de pied. Petit coup de pied léger là, non? Ta gueule. Et donc tu fais quoi? Vous faites quoi vous deux? Bah pour l'instant, s'ils disent des trucs, on les répète. Ouais, alors vous avez reçu un SMS qui vous dit. Bingo, c'est bon, je l'ai, c'est fait. Après, le truc, c'est que sinon on se barre de la cérémonie en plein milieu, ça va faire louche. Ouais, puis on va certainement pas d'accord. En plein milieu d'un SMS sur la lance. Déjà qu'on est passé par la mauvaise porte en plus. Donc, j'aurais envie de faire un gros troll moi aussi, mais sachant qu'ils sont tous avec des épées bien affûtées, c'est peut-être pas le moment. Par rapport à comment on s'est mis, au fait, il y a une autre porte de sortie, forcément. Ouais, il y en a au moins deux autres dans okay, la pièce. D'accord. Ouais, bah, on va attendre déjà l'entrée de Justine. Ok, bah, au bout d'un moment, il rentre, habillé comme vous. Ok, donc je suppose qu'il va s'avancer devant Pat Gann. Oui, et il y a une cérémonie qui commence. Je mets en route la partie dictaphone du téléphone portable pour enregistrer. T'as des micros, sinon. La cérémonie dure un certain temps. Hein. Pas en ce temps, de l'autre côté. Attends, tu permets? Oui. Voilà. Comme ça, tu me le demanderas peu. C'est pour l'immobiliser encore? Non, c'était bon. Bon. Mais pour le coup, elle est violente. Pour le coup, là, c'est... Bon, du coup, moi, je vais essayer de le faire parler, le vigile, et lui demander... Alors, comme ça, au moment de la police, on a trouvé un nouveau boulot. Ok. Voilà, l'idée, c'est de savoir s'il va cracher le morceau sur les événements exactement du Medusa Volt. Bah, tu vas me faire un jeu d'interrogatoire, hein, pour le coup. Hein. Ouais. T'as du temps, y'a personne qui vous dérange. Donc tu le fais en quoi, s'il te plaît, pour que je fasse la résistance? Je vais alors c'est... T'as agressif, après t'as quoi? Alors t'as agressif, inquisiteur, froid, poli, amical. Inquisiteur, plutôt. Ok. Et tu dis quoi? C'est surtout les stats en fait qui m'intéressent aussi. Moi c'est intimidation. Ok, intimidation, donc c'est sans froid intimidation quoi. Non, sans froid en interrogatoire. Sans froid, ok. Je dépense mon point d'ancienneté en plus, là j'ai 4 succès. Ou jamais. Bon bah il lâche sa vie hein, le gars. Il t'explique alors pour faire simple, il t'explique en fait qu'il était avec comment il s'appelle déjà le patron de la boîte de nuit. Merde.
Manfred. Manfred, et qu'en fait, le saint, comment il s'appelle, merde, Padigan dit saint machin là, putain, ah, putain, j'essaie de trouver mes mots. On t'entend taper. Saint James, voilà, c'était ça. Padigam dit Saint James en fait a contacté Manfred pour lui proposer un deal parce qu'il connaît parce que Manfred connaît toutes les gangs en fait du coin. Le deal était simple, à savoir fournir un chimiste et des produits pour une nouvelle drogue. Et sauf que bah Manfred il a trouvé que c'était une très bonne idée et donc il voulait la garder pour lui. Et bah Padigan, enfin Saint James n'était pas vraiment heureux avec ça. Disons qu'il m'a payé très grassement pour que bah, je tue mon patron et enfin d'abord on devait faire un deal sur place mais comment dire Manfred a tout breloqué donc on a tout on l'a un petit peu éliminé mais bon c'est pas Digan hein, clairement c'est pas Digan et bon il m'a offert ce job en plus pour avoir pour être tranquille depuis bah je l'aide hein. Mais bon ça marchera jamais hein. puis c'est sa faute hein. il m'a convaincu c'est lui. Mmh. T'as enregistré? J'en suis... Bah bien sûr. Bien sûr que j'ai enregistré mon gars. Tu sais en train de le tenir. T'as enregistré. Alors du coup je te fais des signes de tête en fait pour savoir qu'est-ce qu'on fait de lui en fait. Genre on l'assomme On le liquide. Ben, je suis pas loin de le penser, hein, mais... Ah, le flic. Parce que, techniquement, tu le mets là, tu fais cramer le truc, tu fais passer le truc pour un accident. Ni vu ni connu, y a plus de produits chimiques, voilà, c'est un... Moi, je serais pour, mais... Bah, je l'assomme. Bah après, c'est un petit peu violent de tuer quelqu'un quand même, donc voilà, je... Tu mets des grosses patates pour l'assommer, parce que bon, t'assommes pas quelqu'un comme ça. Ouais. Ah, faut que je l'assomme. Ah, attends, sinon... Ouais, tu l'étouffes. Je pourrais l'étouffer pour l'assommer, ouais, ça serait plus discret, quoi. Bon, merde, j'ai été trop long. Non, ça va, c'est... Ok, bon, il est assommé, et après bah, retour aux autres. Trouve quelque chose pour l'attacher. Oui. Pendant ce temps-là, à la cérémonie. Du coup, de long, juste question, est-ce que ce serait pas drôle de... Comment dire de... L'ambiance est... Non, je... L'ambiance est de plus en plus particulière à cette cérémonie. Il y a quelque chose de... une espèce d'ambiance très particulière. Vous avez l'impression que... Je sais pas, qu'il y a une espèce de... De ferveur... Quasi mystique. Quasi mystique. Les chants. Enfin, ils font des espèces de chants. Ça parle d'apocalypse. Vous savez pas trop. Ça mélange de la religion, de la loi. Putain, c'est très très chelou. Très très bizarre. Ouais, c'est grosso modo, c'est un gros bordel quoi. Je te mets une pincée d'apocalypse, un soupçon de religion. Je te délie tout dans une espèce de truc de cérémonie bizarre. Mais ce qui est bizarre, c'est que ils ont l'air quoi. Ils ont l'air bon. Ils ont l'air. Ils manient leur épée et tout. En plus, mais ils manient rapidement leur épée. Il y en a aucun qui se touche. Vous avez du mal à suivre le rythme. Putain. Titre. Il va falloir se rapprocher. Peut-être une porte de sortie, mais bon, c'est difficile de bouger en plein tyrannie. Non, on va se faire hacher menu. Par contre, t'as vu ce que je t'ai mis ou pas en privé, du coup? On pourrait peut-être utiliser ça, tu vois. Ah oui, mais c'est l'idée, mais faudrait attendre qu'ils terminent leur cérémonie d'actualisation. Bah, tout le monde met ses épées en l'air. Ouais, mais si on attend trop, ils vont voir qu'on n'est pas synchro, et c'est nous qui allons passer pour les étrangers. Donc, mais t'as vu qu'on devrait faire ça vite. Bah attends, il faut trouver le bon moment pour balancer le truc. Avancez, versez votre sang pour la horde. Moi je serais partant pour ça. Je t'explique juste que j'ai en tête, du coup, Chrome, parce que là, vu qu'ils font leur épée, pour moi on est mort, on va se faire cramer rapidement. Non mais dis-moi ce que tu veux faire.
Grosso modo, on a toujours nos micros avec nous, parce qu'on en avait un chacun. Oui. Et à la de toute limite, façon, j'enregistre. Ce qui pourrait être bien, c'est que du coup, il y a un ou deux qui détache le sien, qui le balance genre à un ou deux rangs, voire même juste à un devant nous. Et voilà, on commence à foutre le bordel en repérant, enfin, en repérant un pseudo flic, quoi, tu vois. Il y a le micro qui est tombé, du coup, faites gaffe, c'est un cop s'infiltrer ou une connerie comme ça. Ce qui fait que déjà la cérémonie serait plombée, et puis avec la confusion, on pourrait avoir du temps pour Alors, faire autre chose, quoi, et se barrer. ouais, moi je pensais plus à réclamer justice pour Mélissa après, histoire de Ouais, mais chauffer si on quoi, est deux, ça va être mais. le bordel, tu vois. Ouais, mais si on dit qu'il y a des cops infiltrés, on se Ok. grille en fait. Ouais, mais ça va être le bordel, mais pas contre nous, tu vois. Parce que si on est que deux, tu vois, Alors, t'en sors par la porte des sinon, fonds. vous pouvez faire un cérémonie basket, hein. Oui, mais justement, on va dire que plus ça commence à avancer, plus je me dis qu'on va se faire repérer. Donc c'est pour ça qu'il faudrait subrepticement commencer à se déplacer vers une des portes de sortie, mais alors à Tu veux zap. dire en En effet fait, qu'ils voient toutes les épées qui en fait, volent? tu te tournes vers comment s'appelle vers ton collègue et en fait, au moment où Guillermo, tu veux parler, c'est pas lui. En fait, vous avez bougé tous plusieurs fois. Putain, tu l'as perdu de vue. Oh Alors, putain! clairement, Oh merde! quand je percute qu'il n'est pas là, moi je fais ça, parce que je me dis c'est la merde, on est séparés, on va se faire gauler, autant commencer à accuser quelqu'un d'autre. Histoire de foutre le Et bordel comme et ça, puis tu voilà. jettes le micro, ça va atterrir à mes pieds. Qu'est-ce que tu crois? Ce serait drôle, tiens. Bah Oh après, putain. bon, pour le coup, vu que je me doute que lui non plus connaît pas la Corée, je fais gaffe à ce que ce soit un mec qui soit vraiment en synchro avec les autres, tu vois. En fait, t'as de la Bah. fumée partout, t'as des espèces d'encens qui brûlent, tu vois pas la moitié de la pièce, t'es pas sûr en fait de ce qui se passe quoi. Eh bah, raison de plus, T'as s'il y a un l'impression coup que les ombres, il y a s'infiltrer. des formes Mais bizarres, c'est je pas pense que tu humaine quoi. gagnerais plus à attendre en fait. Ouais, après, vu qu'on connaît pas la Corée, on va forcément se prendre un coup d'épée dans la gueule. Me Ouais, non. bah, il Ce y a de serait la bien les fumée en deux. Guillermo, t'es poussé à l'avant. En avant? T'es Ça tient, poussé, en fait, dis-moi. les gens qui sont autour de toi, ils te poussent en avant. Et là, t'es face à Padigan. Yes, gagné. Eh Et ben. oui, donc, pour. Oui, après la Mais je cérémonie. dois Il perdre. te regarde et il te fait, fais-le! Bah, vas-y, tu le. Ah, je ne sais pas si je suis digne. Oh l'autre! Ah, c'est bien! Ah, c'est bien! Un complot et l'ambiance! Il te regarde bizarrement. Et puis il y en a un qui s'avance et qui te pousse, il fait je vais le faire moi! Et puis il récite des psaumes en fait. Oh t'as eu trop ton cul là! Non, mais là c'est bien amené, c'est bien amené. Oh putain, Bien là je défendu! trouve que ça va un peu trop loin là, dans le côté obscur, tu vois ce que je veux dire ça? Putain, je sais pas où est mon camarade, c'est pas cool. Bon, les mecs, tu vois, les autres, ils te mettent vers l'arrière et tout. C'est Bon, un peu le but à clairement, la base. t'arrives, Christophe, tu vois le gars qui a dit ça, t'as reconnu sa Enfin. voix, hein, t'as reconnu la voix de Guillermo. Hein, et il arrive vers toi, en fait, il est à côté de toi là. Bon, lui, c'est pas que Alors, c'est vous toi, pouvez. hein, mais. Du coup, Je si dis c'est un ça, je peu dis de mal avec la rien, fumée et tout, je mais. Ah pense oui, que je lui mets la main sur l'épaule pour le tirer vers moi, du coup, tu vois, pour qu'il non, comprenne que je suis là. mais. Ouais. Ok, Guillermo, il y a quelqu'un qui te tire en arrière. Oh putain, Il va stresser, il va me mettre un coup. je pointe l'épée de la pointe derrière moi là pour essayer de montrer que je suis prêt à l'embrocher au cas où. Du coup, je lui mets juste la main en disant non, non, enfin, tu vois, je me tapote un peu la poitrine, genre c'est moi, quoi, tu vois, Non, pas histoire en de plein gloire. milieu d'une cérémonie mystique, s'il te plaît, quoi, c'est Bah, en dégueulasse. même temps, t'es en train de tourner ton arme vers un collègue, c'est pas beaucoup mieux, hein. T'es pas trop Bah, sûr de ce qu'il fait, hein, le gars, mais il se tape tu la sais, poitrine, hein, en tout cas. Attends, il tu fait peux des dire trucs par choc, totalement tu vois. incompréhensibles, ça doit être un collègue. Ok, bon. Du coup, je pense que je vais vraiment faire mon truc là, parce que là, c'est le bordel, on est en train de Alors, faire. techniquement, vu le bordel que c'est dans la cérémonie, tu peux prendre la porte et sortir, c'est pas sûr qu'ils te repéreront, hein. Ah Justement, je bon? pense que c'est. Moi, je vais te prendre Oui. la. Je vais te tirer la toge, là. La manche Ouais. de la toge en te disant, on se casse. Eh, j'ai une idée, si on balançait l'essence dans leur salle et qu'on tirait dessus. Non, Non. on est pas là pour tuer des gens non plus. Mais c'est des Quelle bonne pupilles, c'est idée! pas pareil! Tuer les pupilles des grands magistrats de LA! C'est Mais l'idée du c'est des siècle, dis donc! cultistes! C'est pas grave, c'est pour Cthulhu! Bon, dans tous les cas, tu le tires et vous Ouais. sortez par la porte. Attends, Bah, je pense qu'on va faire si. ça, ouais. Est-ce que malgré la fumée, on aperçoit quand même la gueule de Padigan? Vu qu'il Oui, n'y a pas il est de au cagoule. milieu. Ok, donc juste avant de sortir, en ouvrant la porte, Un il va petit coup de falloir latte. prendre. Non, non, une photo. Faut prendre juste une photo, on les voit tous en cérémonie, sauf Padigan. Et on Bah. se casse.
Alors, tu ouvres la porte et t'entends « Justine, ceux qui ont tué tes parents, ton père, sont » et il dit « Guillermo » et tu fermes la porte. Okay, alors là ça va être un gros what the fuck. Là, ça va être un grand what the fuck. Je suis prêt à faire une énorme connerie. Tu me soutiens ou pas? Pendant ce temps, de l'autre côté. Non, pendant ce temps, de l'autre côté. Bon, vous avez un gars qui est pour l'instant dans les vapes. Plein de preuves, des photos. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Bah, on a plein de preuves. L'ordinateur, je vais l'exploser quand même. Non. Enfin. Bah si. Non, il a accès au fichier du COPS, faut pas déconner. Je vais me débrouiller pour désactiver l'ordinateur, quoi, le rendre. Oui, bah tu l'ouvres et tu piques des trucs dedans. Pire, tu piques le disque dur et le dongle déjà. Non, ça sur les pieds. Hein. Ouais, voilà. À la limite, je change le voltage de l'alimentation, tu vois. C'est pas ton niveau là, pour le coup. C'est un interrupteur. T'as rien en électronique, mec. J'ai grand en informatique. Vas-y, fais-moi ton jet éducation informatique alors. Je te demande 3 réussites. Dommage. Non, t'as pas autant de jets d'ancienneté que de points d'ancienneté que ça. Non, j'en ai plus. Ouais. Non, bah, tu penses l'avoir pourri, hein, mais il brûlera pas. Si j'ai récupéré le disque dur, c'est déjà pas mal, quoi. Et le dongle, voilà. Ouais, déjà oui. Non, parce que ça serait con qu'ils remettent une couche derrière, tu vois, dans les fichiers. C'est un peu relou, quoi. Bah, c'est surtout le dongle qui va lui permettre de faire ça. Bah, donc... une fois qu'on a fait ça, moi ça me dérange pas de partir, hein, je veux dire. À la limite, si je trouve un instincteur et que je peux arriver à mouiller encore 2-3 produits dégueulasses, ça me va. Tu peux très bien retourner en arrière, aller dans la cuisine, piquer un extincteur et revenir. Hein. Ouais. Ouais, bah pourquoi pas, ouais. Si je... Tant qu'en faire, on a le temps. Donc... Bah, de toute façon, là, ils sont occupés, ouais. Les autres, ils sont en pleine cérémonie. Je vais me presser, hein, ouais. Je sais pas forcément, mais. Ouais. Ils répondent pas, hein, par contre. Ça veut dire qu'ils répondent pas à vos SMS. Hein. Lynn, tu fais ça, je reste dans la pièce pour surveiller s'ils se réveillent au cas où. Ouais, non, mais ouais. Et puis tu fais vite. Voilà, voilà, une fois que j'ai fini ça, je vais me casser. Hein, pour l'instant, vous avez toujours pas de SMS là, des deux autres. Ah, hein. Oh, mais qui crève, tant pis, ils ont pas voulu ouvrir des portes, voilà. Hein. Allez, c'est quoi le premier SMS que vous envoyez en sortant? Alors, quand je ferme la porte, j'entends le mot de les assassins sont Guillermo Sanchez. Ok. Le mec bon. Gonzalez. Alors, justement, je vais jouer sur les 300 là. Je vais retirer la cagoule en rouvrant la porte. T'es sûr? Attends, dis-moi ce que tu vas faire avant de le faire, parce que j'ai très très peur, là. Je vais tirer la cagoule en ouvrant la porte, et je vais gueuler. Non, ce n'est pas vrai, c'est pas Digan, le tueur. Mais par contre, je vais prendre la photo, parce que forcément, vu que j'ai plus la cagoule, j'ai plus de facilité à prendre la photo. T'es sûr de toi? Alors, je pense que c'est une grosse connerie. Il va faire un selfie avec Kenyan. Mais à moins que mon petit camarade me dise non, c'est une grosse connerie. Non, parce que tu le vois sortir, tu le vois retirer sa capuche, aller vers la porte avec son appareil photo en main. Alors, la photo, d'accord, la capuche, par contre, waouh, ok, bon bah. Bon, non, t'as raison, c'est un plan à la con en fait. Là, pour le coup, on en a assez, on va se casser parce que sinon, je pense qu'on est des espèces de tarés mystiques avec des épées. De toute façon, moi je vous ai écrit pour vous dire que j'avais toutes les infos et que je pouvais partir. Qu'on a tout pour faire tomber. On envoie un SMS, quoi. On arrive. Vous partez avec Rob Chase ou vous le laissez sur place? Alors, il pourrait nous servir de témoin. Ouais. Ouais, mais idéalement, on va essayer de le faire. On va essayer de l'exfiltrer. On va essayer de l'exfiltrer, mais le problème, c'est que si on se réveille et qu'on croise quelqu'un et qu'il gueule, on est baisé, quoi. J'aurais tendance à. On peut lui mettre un masque et le baïonner, non? Ouais. Pour le moment, jusqu'à la cuisine, mais après, dans le campus, comment on le sort? Il est 1h du matin. Ouais, donc les patrouilles sont assez calmes, quoi. Oui, je pense que niveau fréquentation. Après, je pense que. Voilà. Oui, je suis d'accord, mais le truc, c'est que. Non, mais c'est juste pour resituer les éléments que vous avez. Après, oui, mais. Ce que vous voulez, hein. Le truc, c'est que attends, ce que je résume, la tenue qu'on a de la confrérie de la haute cour là,
c'est comment, c'est elles sont pas, elles doivent pas être visibles de l'extérieur de des sous-sols où on est. Et là, on est d'accord. Ouais. En même temps, vous avez toujours aussi les autres vêtements. Voilà, le truc, c'est qu'on a aussi les autres vêtements. À part s'il y a quelqu'un qui passe discrètement par là où on est rentré avec Guillermo. Il y a d'autres. Alors, ah oui, autre chose. Dans les portes que t'as ouvertes, tu as retrouvé d'autres escaliers qui montaient, hein. Y a pas que cette sortie, il y en a plein, il y en a d'autres. Ouais, donc potentiellement on peut essayer de trouver une Est-ce sortie que. plus adéquate. Ouais, est-ce que potentiellement il y a une sortie, tu vois, comme on est à la cantine, il y a peut-être ils ont peut-être des livraisons. Et je suppose que l'espace de livraison est peut-être à proximité d'un accès De la rue, véhicule, ouais. quoi. Écoute, fais-moi un jet. Attends, je regarde qu'est-ce que je pourrais faire. Un jet de je sais pas ce que tu peux faire, mais fais-le quand même. J'ai fait. En fait, le truc, c'est un mélange entre la perception et l'éducation. Donc, je suis en train de regarder ce que je peux faire en fait dessus. Sans froid, bureaucratie. What? éducation pure. Ah. Ouais, éducation pure. Alors, ce serait peut-être plus perception, mais. Mais 3. 3. Clairement, le labyrinthe où vous êtes, il est plus grand que l'école. Donc, Donc ah oui. Une sortie, il nous Ah ouais, faut non, une mais sortie clairement. hors. Et clairement, il y a dans les escaliers que t'as vus, à peu près par rapport à ce que t'as marché, il y en a certains qui doivent sortir de l'école. Ah bah, c'est parfait. Ah bah, on Mais tu peut sais pas prendre où vous ça, allez hein. atterrir par contre, hein. Oui, Bah, mais on va tenter. Lynn, Ouais. tu vas en éclaireur savoir ce que où mène la sortie hors de l'école. Tu appelles Danny qui vient nous chercher en bagnole et on emmène l'hôte de la Ouais, sécurité qui fait effectivement. dodo là. Non, c'est pas con, c'est pas con, je fais ça. Eh, t'as Ok. vu, hein. Par contre, Tu sors. faut trouver les Ouais. deux autres que. Mais ils vous Les deux Alors, autres on gens. Moi, je arrive. pars du principe qu'ils On vous arrive rejoignent. vers vous, t'inquiète pas. Pour. D'accord. T'as deux mecs en cagoulé avec des épées qui se précipitent vers vous. Quand je commence à Épée à la sortir, main. je j'aurais enlevé le comment dire, j'aurais enlevé le costume, hein, un petit peu Oui, bah, bon, il pour avait pas un peu paraître cagoulé. comme un réchappé du clan en plein milieu de Norwalk, quoi. Ok, tu sors de. Tu prends les escaliers qui potentiellement tu penses doivent te sortir d'ici. Y a une porte, t'as la carte, t'ouvres, Ouais. t'es dans une usine désaffectée. Ok. Bah je du coup j'appelle Repère bien où est la porte d'entrée de ce truc juste là. Alléluia. Alors du coup bah, je vous dis que vous pouvez remonter, que c'est sécure, parce que c'est une entreprise désaffectée. Ce que tu remarques aussi, c'est qu'il y a des traces des produits que t'as vus en bas aussi dans l'usine. Hein. A priori, ils ont dû Ah oui, être mis ici à un moment. D'accord. Bah voilà, donc ça explique des choses. Ouais. Et là, on a pas mal de trucs là. Hein. On pourrait presque même Ah mais on a tenter tout. Oh, un blanchiment complet côté cops avec genre de trucs. Mais bon, pour l'instant, il faut qu'on se tire. Donc, on oui. discutera de ce qu'on fera après, mais il faut qu'on se barre tout de suite. Tu m'étonnes. Bah, surtout qu'on a le client avec nous, donc. Donc, Alors vous vous mettez dans la voiture, vous placez Rob Chase à la place du mort. Ouais, ouais. voilà, c'est une bonne idée. Dans le coffre. Du coup, on va tout chez Christopher. Alors, dans le coffre, c'est pas la place du mort, c'est la place du cadavre, normalement. C'est pas la même chose. C'est à peu près la même chose. À peu de choses près. Une référence. Alors, aux États-Unis, c'est le shotgun, hein. C'est pas la place du mort. Oui, c'est la place du. C'est pas grave. Donc, Bon, après. bah du coup, on va chez Christopher. Bah, ouais, je pense que c'est pas plus mal, ouais, vu que c'est un peu plus sécur. Ouais, t'es le seul à avoir un ordinateur, en fait. Donc, Et un flingue! Non. Et un flingue. Non. Par contre, Non, dans la bagnole, va moi j'ai un falloir flingue. déjà discuter. On se la joue comment alors? On essaye de retourner la haute cour contre Padigan qui essaye Oui. de les entuber ou, mais parce que de ce qu'on a vu, ils sont complètement sous l'emprise, quoi. C'est un peu le bourreau. Je fais intervenir Danny qui pose la question à Christopher. Par ton oncle, il n'y a pas moyen de contacter la haute cour? Si, clairement, je pense que Attends, je vais l'appeler de toute façon une fois À qu'on sera 1h du arrivé. matin? Alors, Oui, mais vous êtes. demain, demain, demain. D'ailleurs, il est 1h du matin. Radio Flash! Bonne nuit les petits! Bravo à ceux qui ont survécu aux bouchons, aux incendies et aux requins. Stabine Granny a été arrêtée alors qu'elle se rendait à sa séance hebdomadaire de crochet. On lui attribue plus de 10 victimes à ce jour. On apprend que Mongoro arrête sa carrière de chanteur pour devenir parolier pour Rose Madison. On écoute justement leur premier travail commun. Foka Moza Moza with your Knil.
Nil, ok. Rappelle-moi, on a rendez-vous à quelle heure là demain avec le gars de la DAS là? Le DAS? On a pas du SAD. SAD. On n'a pas rendez-vous demain avec le gars du SAD, par contre, on est mis à pied, donc on a même plus à se présenter au commissariat. Que, dans l'idée, ce serait bien ouais, de faire ça relativement tôt, quoi, du coup, avant justement qu'on soit officiel. Ah non, moi, dans la nuit, ce que je veux faire, c'est envoyer des mails aux 2-3 à Michel Hudson, comment il s'appelle, Victoria. Ouais, Victoria Jacob, l'assistante du procureur de San Diego, dont le nom m'échappe, et Douglas Adley, un truc comme ça. Non, je sais pas si c'est Douglas. D'ailleurs. Alors, si tu fais ça, tu le fais pas partir de l'adresse mail de Christopher quand même. Non. Essaye. Non, l'idée, ça, je l'idée, dis rien, parce que même moi qui suis une bite en informatique. Non mais ça va, je peux finir mon plan. Mon plan est de, on envoie un mail au chacun d'entre eux. J'envoie un mail en plus au hacker, au stagiaire hacker là qu'on a au COPS, en lui expliquant la situation et qu'on veut être sûr que les mails qu'on a envoyés aient été vus. Dans le mail, en gros, on raconte l'histoire que Padigan utilise la Lomax pour créer un pseudo-business avec les gangs locaux de drogue, que lui reste dans la légalité entre guillemets. Parce qu'il ne prend que des trucs, on va dire, discrets. Et en fait, la drogue, elle est faite par les gangs. Et donc, c'est les gangs qui assument le côté un peu illégal. Qu'il est responsable de l'incendie du Medusa Vault, qui a entraîné pas mal de blessés, etc. Que il est coupable du meurtre de Mr. Wax. De Mr. Wax et de Mélissa. Voilà. Et que Mélissa voulait nous communiquer, voulait parler avec la police. Tu donnes tout, en fait, quoi. Ouais, voilà. Grosso modo, oui, c'est le gros truc. En plus, on rajoute... Et en pièce jointe, je mets les photos. Je mets les photos, la photocopie, des reçus des matières premières... l'enregistrement du témoignage de non le, la cérémonie je m'en fous un peu mais c'est le témoignage surtout du mec là qu'on a récupéré la robe machin là Rose Glaze là machin enfin le vigile qu'on a. Alors, avec nous le seul hic et le gros hic c'est comment on a eu les toutes ces informations. On s'en fout le truc c'est qu'il sache qu'on les ait. Moi je mettrais la cérémonie pour montrer qu'il est complètement mais ça je à la limite coup, quoi, et pas, je sais pas si parce non, que c'est quand même quelqu'un qui est derrière enfin qui fait un trafic de drogue donc c'est peut-être juste en amusement quoi. Je sais pas s'il y croit vraiment mais non il y croit pas mais par contre le fait qu'il manipule les autres qui sont les fils des magistrats après le truc c'est que je sais pas si c'est lui qui fait ça ou si c'est on va dire le truc de base à la Lomax quoi enfin dans la haute cour est-ce que c'est pas le c'est pas leur pas façon certain, de jouer un là, peu là, quoi ça allait quand même vachement loin hein. Les mecs étaient complètement c'était des tarés quoi. Alors, le fait de faire la société secrète, etc., je veux bien qu'il ne faut pas être très bien dans sa tête, mais alors, à ce point-là, quand même... Et du coup... C'est pas de Walsh, hein, carrément. Ouais, je sais pas. Enfin, bref, si tu veux, on le met. Bon, rajoute-le en plus, comme ça... ça fera... Voilà. Et du coup, en plus, et on dit au final que notre but n'est pas d'apporter le propre sur la haute cour et sur le max, mais qu'ils fassent le ménage chez eux et comme ça, ça sera discret. Cependant, je rajouterai à la fin que un groupe de cops serait très ravi, excessivement ravi, de pouvoir l'arrêter par la suite, sans jeter le propre sur la haute cour. Voilà, ouais, si ça. On peut le faire discrètement, c'est bien quoi. Mais voilà. Diplomatiquement parlant, le deal c'est que on l'arrête et on lui fait porter le chapeau pour les deux meurtres plus l'incendie, mais que on n'évoque jamais la haute cour et que eux alors, se chargent de nous. La question c'est que je suis plutôt en mode si vous voulez nous le donner et qu'on l'arrête, on le fera. Si vous voulez pas parce que vous voulez vous protéger. Ça va nous faire un peu chier, mais on préfère garder nos postes. Voilà. C'est un peu okay. L'idée. Ouais, bon, tu tournes le truc, tu me fais un petit jet d'éducation pour bien... Éducation, bureaucratie, parce que bon...
Bon, bien ah, bureaucratie, oh, pardon. Comme c'est des... Ah non, non, attendez, par... bureaucratie, j'ai moins. Ah. Bah remarque, j'ai fait 7, j'ai 7 en bureaucratie, aider, hein. Donc... Non, j'ai 8 en bureaucratie, ce qui me fait 2 succès. Ouais, mais de toute façon, les autres peuvent t'aider hein, à le faire, hein, parce que vous êtes à 4, vous êtes 5 là dans le truc. Très clairement, bien, pas moi. À vous aider à faire le mail. Hein. Bureaucratie. Ouais. Quoi et évidemment, je contacte chacun individuellement et je dis que dans le mail que certains notables de la haute cour que nous connaissons ont été prévenus. Et je mets les CV de Padigan et de tous les gens qu'on soupçonne voilà, d'être okay. Liés au truc. Ok, t'envoies ça. Il est 2h du matin. Ouais. Bon. 3h du matin, tu reçois un premier mail qui dit message reçu. C'est déjà une bonne nouvelle. Ouais. C'est de qui d'un des. Alors je sais pas. C'est par le même canal que celui qu'on l'a envoyé, à savoir voilà. Inconnu. Bon bah on va voir. Alors je vous fais une petite ellipse temporelle hein, pour le coup pour conclure. Ah par contre qu'est-ce qu'on a fait de Rob ah bah il est toujours ligoté sur un lit, il bouge pas. Bah tu. On va peut-être l'enfermer dans une des pièces que j'ai dans l'appart hein, parce que. Voilà et puis bah laisse-le enfermer avec moi. Il va être content. Si tu veux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais il se réveille au bout d'un moment. Oui. Bon, mon gars, t'as deux choix. Soit tu coopères, soit tu vas en taule. Mais je vous ai ah bah, tout dit écoute... Oui, justement, c'est pour ça. Soit tu coopères. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Bah, ah, bah, pour le coup. Alors, témoignage de toi en vrai au tribunal. Mais vous allez jamais aller au tribunal. Pas faux. Il y a mais des bon. Chances. Non, moi par contre, je pense qu'on va le garder un petit peu, on va voir comment ça se passe. On va voir comment officiellement, si ça se déroule bien pour nous, ça serait cool. Oh bah c'est simple, écoute Radio Flash. Ouais, et après, idéalement, je pense qu'on va exiger qu'il quitte Los Angeles, par exemple. Un minimum, tu vois. Ah ouais. Et qu'il aille se faire une autre vie ailleurs. Ouais, ouais, parce que sinon, je pense que les services du COPS vont lui rendre la vie, mais alors, pénible de chez super méga pénible, quoi. Mais pas que ah bah, les services du COPS, hein, il y a aussi... Oui. Je pense qu'il n'y a pas aussi que les services du COPS, hein, tu peux le dire, hein, clairement. Donc, on est quoi? On était la nuit de jeudi à vendredi, c'est ça? Si je me trompe pas, ou c'est de vendredi à samedi? Non, vendredi à samedi. Ok. Samedi matin, votre téléphone sonne. Téléphone, ouais. Vos téléphones perso sonnent. Un par un. Bah, on fait du poker. c'est votre chef. Je vous veux tout de suite au bureau. On lui a pris un petit coup dans le pif. Au bureau, tout de suite. En tenue. Ah bah non, on a plus de tenue. Désolé, l'habitude. Bon, on arrive, chef. Bah oui, hein, COPS un jour, COPS. Ok, d'accord. On arrive. Ouais. Vous arrivez, c'est le calme plat au bureau, il n'y a pas un pet de bruit. Parce quoi, y a quelqu'un même Mètre Cube ne vous dit rien quand vous rentrez. Wow. Ils sont tous habillés avec une toge noire, une épée. Le chef qui est à son bureau, la porte est ouverte, et devant lui il y a un café très très serré. Oh, mauvaise journée en perspective. Mm. Bon. Ça sent la merde dans le ventil. Asseyez-vous. Bon, bah on s'assoit. Bon, on s'assoit. Vous avez passé une bonne nuit, j'espère. Oui. Oui. Ouais. Parce que pas moi. Désolé. Je suis réveillé à 4h du matin. Ah. Ça, les insomnies, c'est difficile. Vas-y, troll en plus, toi. Et ça te fait rire. Pardon. Pas trop, parce que moi, je suis bien dans la merde, mais... Donc... La bonne nouvelle, Damask n'est plus sur votre dossier. Ah. Ah bah tiens, c'était... Chef, vous avez un carton de flyer de l'Académie COPS, non? Non. Par contre, j'ai un carton avec vos armes, vos uniformes, et vous allez patrouiller dès ce matin. Oh putain, ça va être dur. Oh. On est réintégré déjà, c'est pas mal. Yep. Donc vous allez pas faire les malins, vous allez aujourd'hui, vous allez me faire de la paperasse et de la patrouille.
Ouais. Journée corvée, quoi. Comme actuellement, vous n'avez plus aucun dossier en charge. Ça sera avec plaisir. Donc vous me refaites les rapports qui sont en retard, parce que vous avez au moins 3 jours de retard, là. Et je veux pas vous entendre moufter. Oui, chef. Nous aussi, et le premier qui descend à l'étage du SAD... va se faire bouffer sa gueule. Autant dire qu'il va, il va comprendre pourquoi on m'appelle Iron Man. Aussi il dit son pseudo. Cependant, je pense qu'on peut connaître dans l'annuaire du LAPD l'adresse mail de Damasque. Hein. Bon, messieurs, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah oui, c'est roll call tout à l'heure. Ah oui, oui. Ah oui, t'es toujours cops, hein. T'as toujours du boulot. Radio Flash, alors les gars, qu'est-ce que vous faites tous sur la 5 à 7h? Il faut dormir de temps en temps. Gros bouchon en vue pour toute la nuit, un carambolage dû à la pluie sur la 605. Ne comptez pas passer par là non plus. Explosion d'origine indéterminée à la pointe de Vincennes. Deux morts dans une fusillade entre des gangs d'Inglewood. On annonce une baisse des températures pour demain. L'hiver est très en avance pour un printemps. Ouais, et c'est tout. Ça fait des saisons c'est... bizarres quand même, hein. Mais. Ouais, mais putain, ils étouffent vachement bien l'affaire là, on n'en parle plus du tout d'un seul coup. Bah ouais, bah écoute. Bon. C'est les lois de l'Omerta Lomax, quoi. Yep. Bon, en tout cas, on décopse, c'est toujours ça, hein. Ouais. Ouais. Du coup, ça veut dire XP, non? Ouais, non, clairement. Non. On évite la prison, c'est pas mal. Maintenant, moi, je suis toujours dans la merde. Non, oui, moi, toujours un peu dans la merde, mais... Après, ouais. C'est pas grave, tu peux refaire un perso, hein, je veux dire, voilà. Alors, sur combien de séances cette enquête? Une bonne dizaine. Non, 3-4, non. On a fait que 12 séances en tout. Je pense que c'est la quatrième, mais... 4 ou 5, ouais. Sur l'enquête elle-même, peut-être bien. Alors... En tout cas... 4... Alors, ma petite calculette, pour pas que je me trompe. Je peux te dire le nombre de séances, hein. Vas-y, dis-moi. Alors, j'ai une urgence cousin, là. Vas-y. Donc là, j'en ai 9, et en plus, les parties que j'ai pas encore traitées... 11, 12, ouais, c'est ça, on a 12 séances. Ouais, mais combien de séances pour l'enquête qu'on a fait là? Ah, après, ça je peux pas te dire, mais. Moi j'aurais dit 5, à tout casser. Ouais. Non, parce que. Ouais, bon, 5. Ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça, puisque. Parce que, en gros, la partie qu'on a fait. C'était quand la partie où on a joué le Medusa Volt, qui est la première en fait? C'était le lundi qui était férié, non? Je sais plus. Je sais plus du tout. C'était la partie double. Bon, enfin, dans tous les cas, XP pour tout le monde. Donc c'est facile, 18 points d'XP pour tout le monde. Wow. Ah, c'est ça, on est à 12 parties, j'ai dit. Ouais. Et donc c'était la huitième, le max, pas le max, le Medusa Volt. Donc 4. Donc 4. 4. Ah, bah c'est dommage, hein. Ça fait un peu moins d'XP. Non, on va rester sur 18. Allez, 18. Ah, mais non. Oh, c'est bien. Yes. Oh, je suis content. Moi, je bouge plus. C'est pareil. Ok, ça fait ça. Ok. Je vais le mettre à tout le monde, donc 18 ça fait 21 pour Cocoon, ça fait 20 pour Wedge, 18 ça fait 23 pour Guillermo, et ça fait 29 pour Lynn. Je me suis pas trompé. C'est ça. Et hop, il est où le... Bon, même si...
Bon, si il me redemande, je lui donnerai sa feuille. Mais voilà. Oh, question. Vous dépensez pas, vous faites quoi? Faut juste le rappeler vite fait. Ah, je pense. Alors, est-ce qu'on peut faire des stages? Alors, là. Il faut que je vérifie le s'il y a le temps en fait, parce que le truc c'est par rapport en fait à la prochaine partie. Alors du coup. Ah une seconde, dis pas du coup alors que je suis en train de vérifier un truc. Ah bah je dis rien. Justement, 30 petites secondes. T'es à 21 XP. Oui. T'es à 21 XP, je le redis. Cool. En tout. Donc là voilà. J'ai ça. Bah t'as eu. Voilà, c'est ça. 18 plus alors. 3, ça fait 21. Donc il faut que tu aies une semaine de battement pour les stages. Actuellement, nous sommes donc samedi 8 juin. Tac tac tac. Je vérifie. Pas pour faire une coup. Ok, il n'y a pas de date sur le premier scénar. Donc ouais, pas de soucis, il y a une semaine de battement. Donc okay. Il peut y avoir une semaine de stage. Alors, moi du coup, 4, 6, 1. Caméra, il faut que je trouve les stages. Par contre, je garde le même nombre de points de stage que vous avez, vu que je ne les ai pas vidés la dernière fois. Ouais. C'est combien déjà? Parce que je l'ai foutu ce truc. Sachant que tous les stages, bien sûr, ne sont pas disponibles, donc vous devez faire une demande et je vous dis s'il est dispo. Mais s'il n'est pas dispo, on dépense pas les points. Ah ouais, clairement. Ouais, du coup, est-ce que le flingue, le tireur premier niveau, il est dispo? Alors, le premier niveau est dispo. Par contre, quand tu remets ton papier à... Bon, il faudra que tu fasses un jet de toute façon de bureaucratie, mais quand tu remets ton papier, le chef, il te regarde et dit « Surtout, tu vas faire un stage plutôt de criminalisme ou... ?» Déjà fait. Oui, niveau 2. Ouais, mais non. Non. Vas-y, bon. Non. Headshot. Ouais. Bon, bah, il va voir s'il y a de la place. Enfin, ta demande va être transmise et on va te dire au début de la semaine s'il y aura de la place. En gros, si j'ai mon stage, je l'achète. Si je l'ai pas, je monte un truc à 4. Mais je vois en fait tout ce qui est demandé en fait. Avant de te dire tout ce qui est possible ou pas, parce que ouais. J'aimerais bien avoir une bonne vision. Une coordination à 4 sinon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre des stages en fait aussi? C'est ça la question. Moi je suis en train de regarder là sur la feuille pour l'instant. Je suis en train d'essayer de retrouver le là où on dépense 6 pièces de fouille. Résultat de l'interrogatoire, ça va pas être loin. Progression des personnages, voilà. Donc l'XP, je rappelle comment ça peut se dépenser. Je l'ai moi. Donc je l'ai pour. Comment ça s'appelle? Acheter des caractéristiques. Donc c'est simple, c'est la valeur actuelle de la caractéristique x 6. Pour acheter des comment ça s'appelle, des compétences. Alors, c'est 10 moins votre niveau actuel x 2. C'est ce que ça coûte. Après, pour 15 points d'XP, vous pouvez acheter un point d'adrénaline permanent. Pour 15 points d'XP, un point d'ancienneté. Et après, les stages de niveau 1 coûtent 10 points d'XP, de niveau 2, 15, de niveau 3, 20. Sachant qu'il y a des prérequis sur les stages, je rappelle. Vous rentrez pas dans les prérequis, vous n'avez pas le droit au stage. Donc, le stage de tir, le prérequis étant d'avoir 6 plus à une arme et 3 en coordination. Bon, moi j'ai Adop qui vient de planter, évidemment. Marrant, c'est la même pour moi. Hein? Donc, ça arrive. Est-ce que vous avez besoin d'un récap des stages ou vous avez le fichier? Normalement, vous avez le fichier avec le récap des stages. Ouais, moi j'ai le fichier. Ouais, le fichier. C'est juste que moi je regarde. Quand ça veut bien, ne pas planter. Donc là, pour les ceux qui écoutent, ça va rester sur de la partie technique jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si ça t'intéresse pas, tu peux passer à la vidéo suivante. Ah, parce que c'est une vidéo. Bah oui, on enregistre ouais, un petit peu. On n'oublie pas de t'abonner du coup en cliquant ici. Voilà, tu peux. Voilà, espèce de sale pourriture. Si t'as aimé la vidéo, tu mets un pouce vert.
Si t'as pas aimé, tu l'as détesté, bah tu mets pas de pouce rouge, s'il te plaît. Parce qu'on a des gosses à nourrir, s'il vous plaît. Donnez des likes pour bébé. Oh, mais c'est horrible. C'est moche, monsieur. Très moche, d'accord. Attends 10 ans, ouais, tu vas voir, il y aura ça. Des Roumains qui auront des pages Facebook. Non, mais ils ont des pages Facebook, c'est juste que c'est horrible ce que tu fais. Et les points de stage. Ah oui, vous pouvez aussi avoir un nouveau personnage pour 5 points d'XP. Et vous pouvez aussi techniquement augmenter vos relations que vous avez actuellement. Donc du coup, si je dépense 5 points d'XP, je suis une femme à partenaire multiple, c'est ça ? Je veux pas savoir. Donc pour augmenter d'un niveau le point d'une relation ou acquérir une nouvelle, il faut payer 3 fois le niveau actuel. Ok. Ouais, je paierais bien si le et le coût d'achat d'une nouvelle relation, c'est 4. Ça fait 6 points. Ça meurt de 4. Y a moyen de monter 2 compétences en une fois ou pas ? Oui, si t'as les points d'XP, oui. Parce que mécanique, j'aimerais bien le faire passer à 8 et médecine à 6 si possible. Alors, attends. Mécanique, tu veux le faire passer à 8. Donc ça fait... il faut que tu payes... Donc là, c'est... Attends. Moins, donc 2 pour l'instant. 2 points. Ouais, 2 points pour mécanique à 8. Ouais, médecine, ça me coûterait 6. Alors, attends. Je fais au fur et à mesure, s'il te plaît. Non, mais je calcule pour moi aussi. Ok, 19. Après, médecine. Médecine, ouais, à 6. Attends, donc si je me trompe pas, ça fait 6 points. Ouais, c'est ça. J'ai le tableau, moi. Point, donc t'es à 13. Ok. T'as un sang froid, du coup, tu m'as dit c'était comment pour la carac déjà? Attends, c'était... Ah oui, c'était 6 fois le niveau actuel. 6 fois le niveau. Ouais. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse quasiment tout le reste pour monter en sang froid. Ah non, c'est peut-être pas intéressant. Bah, ça te fait un dé en plus, hein. Bah, à la limite, c'est peut-être mieux de faire ça, et pour la prochaine, du coup, j'essaierai de faire monter Mike, mon mentor, quoi. C'est 6 fois le niveau désiré ou 6 fois le niveau actuel ? C'est enfin, je vérifie. Mais valeur actuelle de la caractéristique x 6. Ouais, ok. Ah. Ouh. Ouais. Bah, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça comme ça, je pense, et puis je monterai plus tard mon mentor. Et eh ben, je peux donc, payer les deux à la fois. Sans froid, mécanique et médecine, et si je me trompe pas, il me resterait 1 point d'XP. C'est ça, tout à fait. Ok, enregistré. Donc ça, c'est fait pour le... pour Christopher. Du coup, il y en a personne d'autre. Je vais acheter coordination à 4. Attends, Denis et Etlon, vous avez des stages que vous voulez ou pas ? Non, je prends pas de stage. Bah, j'ai regardé, mais il n'y a pas vraiment de choses intéressantes, quoi. Bon bah clairement, y a personne qui te fait de l'ombre. S'il y aurait eu un gars plus bourrin que toi qui voulait le stage de tir, il te l'aurait piqué. Hein. Mais donc voilà. Mais je regarde. Mais... Bon, ok, Lynn, donc tu achètes un stage donc. Et... Ouais, coordination à 4. Donc du coup ça me fait 28 ça points. Ça coûte 1 point de stage, donc ils seront tous perdus. Hein. Les 5 points, ils vont être perdus. Alors, coordination à 4. Donc dans ce coordination. 3 x 6 donc. Ouais. Hop. Et donc il te reste combien ? Il te reste. 1. 11 pour l'instant. On a acheté. Oui, mais comme je dépense. Ouais, mais je dépense 10 points d'XP pour acheter le stage. Oui, voilà, mais je fais un peu. Ok, le stage donc c'est. C'est le niveau. Tire, c'est 1. Ça ? Ouais. Pas de garrette. Mais stage, pas de garrette. Stage tir niveau, alors que je mette ça. Il n'y a pas de garrette, c'est terminé les garrettes. Donc stage de tir, donc tu vas avoir le choix entre deux capacités spéciales, tu vas devoir choisir une des deux. De base, donc tu gagnes plus 1 au dommage. À chaque fois qu'un stage, donc, le personnage gagne un bonus potentiel de plus 1 quand il afflige la compétence appropriée, c'est-à-dire quand tu tires une des deux compétences, tu utilises une des compétences. Donc avec c'est intéressant ça. Non, la compétence appropriée c'est juste le tir avec la bonne arme en fait. Donc ah, plus 1 de dégâts au pistolet donc. Avec n'importe quel pistolet. Ouais. En fait avec n'importe quelle arme de poing.
Donc ça c'est le bonus, ah. Ou c'est les capacités spéciales? Ça c'est le bonus, ça c'est le bonus. C'est... Voilà. Après, la capacité spéciale, t'as le choix entre le tir dissuasif ou instinctif. Le tir dissuasif, lorsque le personnage tente d'effectuer un tir de couverture, il le fait avec un bonus de plus de dés. Voilà. Et le tir instinctif, le personnage peut, si sa seule action du tour est d'utiliser son arme à feu, choisir une initiative minimale de moins 2, même s'il ne procède pas les réflexes à 5. S'il dégaine l'arme, l'initiative minimale est d'un point inférieur à celle normalement prévue. Bah, voilà. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça, le tir instinctif. En cas d'égalité... Ah oui. Et en cas d'égalité, lors de la détermination d'initiative, tu l'emportes toujours. Même si ses adversaires possèdent une agressivité ou des réflexes supérieurs. Ouais, je suis lucky. Non, parce que c'est, tu peux pas tirer plus vite que ton nom, toujours. Ah, c'est pas loin, quand même. Parce que je tire beaucoup plus vite que mon réflexe, hein, parce que moi, j'ai réflexe à deux, hein, tu vois, donc... Oui, mais ton ombre, elle a aussi tes capacités, donc... Et puis en plus, elle craint pas les balles. Oui. Elle n'empêche... Ouais... Bon, ok, pour Lynn, c'est enregistré. Je viens de trouver un stage. Ok, dis-moi. Crâne d'œuf. Ah ouais? Tu le justifies comment? Par l'envie d'être plus efficace sur une scène de crime. Crâne d'œuf, c'est criminaliste, niveau 1. Ah. Ta scène de crime à 6+, au moins? Bah oui. Donc ouais, donc tu peux le faire. Parce que j'ai la mallette. Oui, ah non. Oui, non, oui, non, je sais, mais ça veut dire que je l'ai au moins 6+, puisque j'ai la mallette. Oui, non, mais voilà. Mais c'est pas parce que la mallette te donne pas de bonus sur ça, quoi. C'est... Oui, je sais, c'est juste que ça me donne le matériel, ça me donne pas ouais. de non, bonus. Ouais, je l'ai celui-là. Je l'ai de base. Mon casque, j'avais plus de batterie. Bah, c'est, ouais, c'est le premier. C'est partie des deux que j'ai acheté en premier, en fait. Ce stage est particulièrement difficile à obtenir, en effet il est rare que les enquêteurs scientifiques acceptent de passer du temps à quelques de leurs précieux moments à éduquer des pauvres flics incultes. Tu vas devoir me faire un jet de bureaucratie pour réussir à l'avoir en fait. Bureaucratie sur éducation. Mmh. Eh bah non. Non, tu l'as pas. Bon, tu dépenses pas l'XP ni les points, mais tu l'as pas. Ils veulent pas de... Clairement, en fait, on te dit que bah, là, les mecs, en fait, de la criminelle, enfin, les profileurs et autres, ils ont pas de temps à quête accord. Ils ont pas, il y a pas de stage ouvert cette fois-ci. Sur cette. Je vérifie. T'as conduit à combien? J'ai conduit à... Merde. À... 6. Mais c'est vrai 6. Que j'ai regardé aussi, mais non, ça suffit pas. Pour ouais, le si stage. Si tu top-grade, entre guillemets, conduite voiture et réflexe, tu pourrais... Enfin, je sais pas si t'as assez d'XP pour faire les deux, mais en tout cas, à terme, tu pourrais prendre le stage de niveau 2 de voiture. Ouais, attends, je suis en train de... Le bonus étant, en cas de crash, les dommages infligés aux personnes à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule sont toujours réduits de 1. Oui, j'ai lu. Et t'as la capacité spatiale turbo. En situation de suite, le personnage, il peut désirer gagner un dead pour site supplémentaire tous les 3 tours. Ah, c'est pas mal. Hein. Attention, ouais, ça, des supplémentaires ouais, et noir. Ah oui. Ah, c'est chiant. C'est un peu moins bien. C'est bien, mais c'est ça. Mais le truc, de toute façon, c'est que à chaque fois je l'oublie. C'est vrai que je l'ai tout le temps oublié que j'avais le as de la route qui était bien, qui permettait d'ignorer le premier dé noir, en fait. La première perte de dé. Ah. Il faut connaître son perso. Ouais, mais à chaque fois. C'est pas grave. Réflexe 4. Réflexe 4, ça veut dire c'est 18 points. Et ensuite, non, j'aurais pas assez de points pour passer en conduite voiture 5+, quoi. Sinon, vois ce qui t'intéresse à monter si tu veux pas s'il y a pas de stage qui t'intéresse. En stage, là, actuellement, il y a pas de stage qui m'intéresse, quoi. Il y en a un que pouvais faire, mais... Attends, fais voir, c'est quoi les stages que t'as déjà? Ah si, il y a un stage qui peut t'intéresser. Attends. Le stage Punching Ball. Ah ouais, attends, je vais le regarder. Ah et oui, quel... mais t'es en immobilisation, t'es pas en coup, merde. Voilà, je c'est ça. Je peux pas le faire en fait. Je peux pas le faire.
Sinon, tu peux avoir le stage Tonton Bâton qui peut être intéressant si tu boostes ta matraque, mais je suis pas sûr que ça t'intéresse. Bah non. Stage gonflette. Tu peux refaire du stage gonflette, hein. Ah, il se cumule? Ouais, mais bon, c'est. Tu peux le faire deux fois. Ouais, bah, de base, le stage gonflette, tu gagnes 3 points de vie. Ouais. Donc tu passes à plus 6 en fait. Tu pourras arrêter encore et plus de balles de sniper. C'est ça. Mais pas on va t'appeler Terminator après, tu vois. Ouais, c'est clair. Sac à PV, tu vois. Sac à PV. Si t'as envie d'avoir plus de PV, tu peux le prendre. Ouais, c'est vrai que je peux le prendre en plus, quoi. Puis, attends, gonflette, il est où? Et quel. Enfin. Cocoon, Tlon, vous avez à combien charme? 2 pour moi. Charme. Charme, je suis à 3. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, monsieur Tlon et monsieur Cocoon, vous êtes assignés d'office à un stage, parce que vous êtes tous collés à un stage, hein. Assignés d'office sur un stage pot de fleurs. Attends, ça c'est bureaucratie, non? Non, pot de fleurs, c'est t'es en uniforme, t'es devant un bâtiment et tu bouges pas. Ah oui, merde, voilà. J'ai oublié celui-là. Ouais, donc ça apporte rien en fait. Mais ce stage est considéré comme une sanction plus qu'une réelle opportunité d'avancement. Le flic qui suit ce stage va se retrouver pendant plusieurs jours à faire le pot de fleurs devant un bâtiment administratif, une école ou une demeure d'un homme important. Ouais, donc clairement ça va servir à rien. Bon bah écoute, mais pour avoir. Je vais vous donner le bonus. Je pense que Guillermo il va faire le pot de fleurs devant un ami du maire, un mexicain, tu vois. qui a beaucoup beaucoup d'argent, tu vois. Parce qu'il y a des bonus en stage pot de fleurs. Ouais, bah oui, vous gagnez un truc quand même. Donc vous vous mettez, hein, stage pot de fleurs. Cool. Vous gagnez une relation, non? Avec la personne que vous avez protégée. C'est impossible. Ron. Niveau 1. Ouais. Rappelle-moi comment on monte les compétences. C'est 10 moins. Moins 10 niveau moins, actuel, fois 2. Moins la compétence fois 2. Ah, tu as quel niveau? Tu veux passer à combien? Moi j'ai le tableau, je peux te le dire, j'ai fait des calculs. En gros, si tu passes de 5 à 4, ça te coûte 10 points d'XP. Ouais, ouais, mais là de 8 à. Ah, de 8 à 7, ça va te coûter 4, et de 7 à 6, ça fait 10, ça fait 4 et 6, ouais, ça fait 10 en tout. Ouais. Là, ça fait 10 en tout. Ouais. Et le stage Tonton Bâton, il me coûte combien d'XP? 10. Ah, ça serait parfait. Allez, vas-y, on va faire ça. Niveau 1, ouais. On va faire ça. Ok, alors attends une seconde, d'abord comme j'ai commencé avec les autres, stage pot de fleurs. Donc vous vous mettez dans connaissance, je vous mets le quartier de la ville dans le chat. Enfin, en connaissance, c'est le quartier où vous êtes en pot de fleurs tous les deux. Oh mon dieu, c'est lequel? Donc si vous devez faire, en fait, c'est un bonus, hein, là je vous explique avec ça. De toute façon, vous mettez le truc, bah, y a rien, hein. Vous mettez pas de numéro, hein, parce que vous avez pas de connaissances. Mais si vous devez faire un jet de connaissances donc dans le quartier de Van. Je sais pas comment on prononce. Nice. Van Nuys. Alors, ça, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous faites un jet de connaissances de ce quartier, le personnage transforme un de ses dés en dés bleus. Ah. Donc, si ce dé bleu fait une réussite, bah, ça compte comme deux réussites. Donc. Un des bleus, ça c'est le bonus passif. La capacité spéciale. Ami du patron, lorsqu'il se trouve dans un quartier dans lequel il a effectué un cessage, le personnage peut manger gratuitement dans divers petits restaurants et bénéficier de tarifs très avantageux dans des magasins divers et variés. Électronique, alimentaire, peut-être même armurerie. Le meneur peut considérer que ses petits services sont offerts. Pour ce qui est des achats les plus onéreux, le personnage bénéficiera d'une réduction de 15%. Je rappelle que le quartier où vous avez fait vos achats, enfin vous avez fait le pot de fleurs, c'est le quartier chaud. Chaud dans le sens sexe. Ok, cool. ça m'aide vachement. C'est très très bien pour faire des contacts. Dans des prostituées, etc. Ouais. Et du coup, vous avez 15% sur le contact, c'est pas mal. Oh
Ah non, j'ai pas entendu ça. C'est un peu gore, ok, mais c'est vrai. Je crois que tu l'as entendu, là, tu peux rien faire contre. Donc c'est quoi le pourcentage qu'on gagne, du coup, alors, moi, 15%. Ah ben voilà, ATM, dès qu'on parle de pourcentage, il est là, quoi, hein. ATM, ça y est, d'accord, ok. ATM, non, mais... Ouais. Bah si, ATM, Headshot, Barshock et Lucky Target, voilà, voilà la Dream Team, quoi. Non, ATM, je pense que non, ça va pas le faire. Bah, faut un temps de trouver mieux. Je crois que je vais te donner de l'argent de poche, c'est pas grave, hein. Alors, c'est... comme ça tu me feras moins chier avec des sous. Mais ça peut marcher. Franchement, je pense, ouais. C'est surtout avec Guillermo qu'il faut faire ça, hein. Alors par contre, je vais récupérer les téléphones portables que je vous avais offerts, hein. Je vais les revendre au minimum, hein, histoire d'eux, parce que bon, ça, c'est un budget quand même, hein. De rien. Moi, ouais. Je vais garder le mien, on sait jamais. Mais ok. J'ai fait encore un jet de bureaucratie pour le stage. Non. Attends, c'est lequel que tu demandes alors? Ton bâton. Ouais. Clairement pas. Ah bon? Non, bah parce que t'es une brutasse. Mais bon, les mecs, ouais, tu veux faire un stage pour être encore plus brut, vas-y, c'est parti. Hein. Donc dis-moi, qu'est-ce que t'as fait alors? Qu'est-ce que t'as dépensé en quoi en fait? Bah, 10 points. Merde, attends, j'ai Adobe qui est encore planté. Donc 10 points en arme de contact pour passer de 8 à 6. Alors de 8 à 6, je cherche arme de contact, donc ton 8 à 6. Je vais vérifier un truc. Parce que je regarde quand est-ce qu'elle a spécialisation, combien elle a spécialisation. Ouais, quand est-ce qu'il y a l'aspect, ouais. Parce que normalement, je pense que tu dois être à l'aspect, là. Oui, l'aspect tonton bâton, j'y étais dessus. Non, pas l'aspect tonton bâton, en fait. La spécialisation de la compétence, en fait. Ah oui. C'est peut-être plus bas, je pense, non? Je vérifie. C'est les armes, en général. C'est quoi, c'est armes de contact. Arme de contact, l'aspect à partir du niveau 6+, dès le niveau obligatoire de piloter du niveau 6+, donc clairement ton fa. Ouais, ton fa. Donc, ouais. Ce qui veut dire que arme de contact qui est pas ton fa, t'es à 7. Yep, ok. Voilà. Merde, du coup ça va pas se regarder. Voilà, quoi d'autre? Donc ça a coûté 10, donc il reste 10. Yep, et donc 10 pour le point de pour le stage tonton bâton. Je check un truc. Tonton bâton, il faut réflexe à 3 et 6 à matraque. Enfin, matraque. Enfin, c'est matraque, donc, mais bon. 6, donc 3 réflexes, c'est bon. Ok, donc, tonton bâton. Donne-moi le numéro de page. C'est 156. D'accord, comme ça. Ton fa. Ok. Alors, je vais te redonner les trucs, hein. Niveau 1, donc bonus. Le bonus, qu'est-ce que ça fait? Tu gagnes plus 1 de dégâts au ton fa. Tu peux le faire jusqu'à 3 fois à chaque fois que tu fais le stage. Plus 1 dégâts au ton fa. Yep, ok. Voilà. Capacité spéciale, t'as le choix entre l'immobilisation ou la parade. Ouais, mais c'est un jet d'immobilisation que je fais, non? Non, c'est un arme. Alors, sur un jet d'attaque réussi avec le son ton fa, ouais. Dont la marge de réussite est donc égale au moins à 1. L'attaquant immobilise son adversaire. Aucun dommage, pas de force d'arrêt. Pour réaliser cette attaque, le personnage doit recevoir reçoit un bonus d'un dé. Chaque tour suivant, le personnage immobilisé peut choisir de perdre 2 points de vie. Le personnage immobilisé peut choisir de perdre 2 points de vue pour pouvoir tenter de se libérer. À ce moment-là, tu fais un jet d'opposition entre arme de contact corps à corps avec le bonus de 1 dé que t'as pour le fait que tu l'as immobilisé. En gros, si tu réussis de frapper avec ton fa, tu peux tout de suite immobiliser la personne. Ouais. C'est violent. Ouais, oui, c'est très violent. Et l'autre, c'est parade. Parade, lorsque tu es en combat corps à corps avec un ton fa, ton adversaire remporte l'opposition avec une marge de réussite de 1 ou de 2, on estime que l'attaque a été parée et donc que tu n'as aucun dégât. En gros, il faut qu'il fasse au moins 3 de marge de réussite pour te toucher. Ouais, c'est ce que je voulais faire avec l'unité Baboon, ça. Lui parer avec le tonfa ses attaques,
Ouais, mais tu savais pas faire à l'époque. C'est ça. Mais c'est vrai que ça peut être quand même utile, mais l'immobilisation aussi. Donc, mais vu que j'immobilise déjà au corps à corps en sautant sur les Alors, gens. je vais revérifier l'immobilisation corps à corps parce que, en gros, c'est beaucoup plus radical, hein. Moi, là, j'ai été Ouais. gentil quand je te l'ai fait, mais là, c'est, Mais. tu donnes le coup, tu réussis, il est mobilisé, le gars. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Tandis que l'autre, il. Bah, disons que là, je l'ai joué sciemment facile pour parce que j'avais pas envie de chercher en fait où c'était. Hein. Ouais. Mais techniquement, donc armes d'épaule, armes lourdes, c'est corps à corps, corps à corps, corps à corps, corps à corps. Donc coup, projection, immobilisation. Il n'y a pas de détails en fait. Ouais, bah ça va être pareil, si tu réussis une attaque, tu immobilises quoi. Sauf que là, bon, t'as un dé de plus quoi, pour garder le gars emprisonné. Ouais, donc non, c'est pas intéressant, c'est la parade que je vais prendre. Donc, parade. Ouais. Parade, entre parenthèses. Plus de 2 réussites pour dégâts au corps à corps, oui, parce que tu ne pars toujours pas les balles. Ouais. Ok, il reste Guillermo. Alors, Guillermo, c'est très simple. Guillermo, il va passer discrétion de 7 à 6, ce qui va lui coûter 6 XP. Ok. Il va passer instinct clic de 7 à 6, ce qui va lui coûter 6 XP. Il va passer Alors, scène de crime de attends, 7 à instant de 6. flic. Oh, une seconde. Je vérifie, ouais, c'est bon. 6. Alors, scène de crime, t'es pas obligé, hein. Moi je l'ai beaucoup, donc si tu veux Vas-y, t'épargner dis-moi. ça, Ouais, je passe quand même de 7 à pour 6. investir ailleurs, 6 mais... XP. Scène de Et crime. éloquence, ouais. Donc là, t'es à 5. Donc là, je suis à 18. 6, Ah 6 non, et t'as 6, ça fait 18. 6, 6, 6, il te reste 5 points. Oui, il me reste 5 points, exact. Et Ouais. donc, éloquence de 8 à 7 va passer, donc ça me fait 4 XP, ce qui me fait 22 XP Alors, en tout, il m'en reste éloquence. 1. Pourquoi tu veux pas passer falsification? Il y a quelqu'un qui a un instant flic à beaucoup? Enfin, à bas plutôt. Bah, Guillermo à 6 maintenant. Ben, Guillermo à 6 maintenant, ouais. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je l'avais à 7. Y a personne qui prend déguisement? Toujours pas. Alors, je vous conseille quelqu'un qui maîtrise la navigation au bout d'un moment. Oh, je pense que je chargerai au bout d'un moment. Bah, je dirais La même après la navigation. prochaine enquête, pour être sûr. Navigation, Conseille une compétence fortement. navigation? Ouais, pour les bateaux. Non, parce que vous êtes à Los Angeles, merde. S'il y a pas de... Si je peux pas faire une course-poursuite en bateau, ça va pas le faire. Hein. Ouais, enfin c'est grand. Enfin, si tu veux à Los Angeles, on va pas faire des poursuites avec des requins, quoi. C'est Fukuda. Bon, Tu vas ça, nous c'est faire le vidé. Big One qui Bah, va c'est bon pour ce précipiter soir, Los hein, Angeles dans l'eau, c'est ça? Alors, moi j'ai juste une question. Est-ce qu'on aura droit. Attends. Faut que je les retrouve. Ouais. Un truc, c'est les bateaux dans l'alerte à Malibu, les jaunes là, avec les deux jet skis à l'arrière. Est-ce qu'on aura droit à ça? Alors pour le coup, j'ai jamais regardé Alerte à Malibu. Je suis désolé. Putain. Tu verras de toute façon ce que t'auras pendant le jeu et puis c'est tout. Mais bon. Donc, en termes de jeu, ce qui se passe, c'est que là, donc, vous étiez en service normalement. Donc, c'était de 8 heures. C'était quoi? Non, c'était le soir, c'est ça? Non, c'était le matin. C'était le matin, donc ça doit être. Je sais plus, j'ai plus d'horaires en tête, mais. C'était les horaires du matin. Donc, la semaine que vous avez fait en stage, pareil, c'était les horaires du soir. Enfin, du midi soir. Et donc, quand vous allez reprendre le lundi, horaire de nuit. Voilà. Et c'est fini de toute façon pour aujourd'hui. J'ai passé l'enquête du Ok. Medisavolt Ouais. Alors, juste à... Ah oui, non, c'est pas complètement fini. sur le Il y a un mind truc map. à... Je l'ai mis Ouais. dans archive, voilà. Pas de soucis. Vu qu'il y a une semaine qui s'est passée, vous avez eu quand même des nouvelles de ce qui s'est... Un peu plus sur le truc... Parce que vous avez un peu suivi ce qui se passait quand même autour de l'Allomax. Oui.
Oui. Donc, c'est... alors, Lomax, que je dise pas une connerie. Donc, Padigan est devenu empereur, et... Non, c'est Padishah l'empereur de Dune, c'est pas Padigan. Mince. Alors... ce qui se passe dans les jours qui suivent. Donc, vous entendez plus parler de Damasque. Il semblerait que le dossier soit retiré et qu'il s'est fait engueuler par ses supérieurs pour abus de pouvoir. Oh. Quel dommage. Vous savez que vous arrivez à apprendre par divers canaux que Padigan a été renvoyé de l'école ainsi que plusieurs personnes. Le directeur a démissionné. Et le directeur actuel hein, a démissionné aussi. Et pour le coup, vous en entendez plus parler, quoi. Vous savez pas où il est devenu. Il reviendra plus fort et plus sournois. Est-ce que, au niveau des gangs, est-ce que la drogue ça circule, tout ça ou pas? Non, parce qu'en fait, il a pas. Les chimistes ont la formule, mais ils ont pas les accès aux matières premières. Donc, pour le coup, en vous renseignant un peu, vous vous rendez compte, en fait, pendant toute la semaine, qu'il y a eu plusieurs cas de cette drogue qui a été diffusée. Mais, a priori, la source s'est tarie, quoi. Elle est en train de se tarir. D'accord. Vous vous renseignez. Ouais. Bon, il y a eu quelques cas, a priori, il y en a eu un peu en circulation, mais ça n'a pas l'air de... Ça va fonctionner, vous avez coupé l'herbe sous le pli, hein, sous le truc, hein, clairement. Cool. Les chimistes, sans on va dire la couverture que Padigan donnait pour avoir les trucs. Et surtout, en fait, bizarrement, il y a une loi qui passe et qui demande une nouvelle régulation sur les produits en question, en fait. Les produits de... Ah ouais, carrément. Ouais. Comme vous vous renseignez à peu près, vous voyez en fait qu'il y a une loi qui passe sur la régulation de ces produits et des vérifications. Et c'est vraiment très pointu, mais comme vous êtes en veille, vous tombez dessus, quoi. Ouais. Clairement, ça s'est remonté. Hein. Ça s'est remonté loin, quoi. Ah, c'est bien. Ouais. Et voilà. En fait, ma grosse idée, le gros plan que je voulais faire, moi, c'était cramer le truc avec le carburant. Et dire voilà ce que Mélissa nous avait voilà pourquoi elle a été tuée, parce qu'elle avait retrouvé ça et que c'est dangereux d'avoir mis ça dans l'école et tout et du coup de mettre un nom à derrière Padigan. En fait, dire que toute l'enquête, toutes les preuves qu'on avait, c'était Mélissa qui les avait trouvées, qui nous avait donné, et voilà, et que du coup essayer de faire ça, quoi. Mais bon, ça a fait le job quand même, quoi. Ah oui, et plusieurs élèves ont été retirés de l'école. Hein. Je me demande bien. Non, sérieusement, tu crois qu'en voyant ça, les parents ils vont garder leurs élèves dans cette école? Le truc de la cérémonie complètement chelou. C'est clair. En tout cas, vous avez fait la meilleure fin qui était possible. Sérieux? Hein? Ouais. Enfin, la meilleure fin pour pas que ça vous pète le plus à la gueule possible. Tant mieux. Je te ciel quand même que tu es pas dans la merde. Ouais, ouais. Et techniquement, vous êtes potentiellement fait des amis dans la haute cour. Mais bon, vous n'avez pas des numéros de téléphone non plus, faut pas déconner. Ouais. Mais disons qu'on a des mails, quoi. Ça suffit déjà. Déjà, ça te prie. Tu crois qu'ils vont vraiment te répondre? Ah bah, on sait jamais. Non, mais c'était cool, bah, c'était gens... cool. C'était bien cool, ouais. Mais ouais, je voulais faire parce que demain sera un autre jour. Mais c'était cool, c'était bien. Ouais. Mais ça va faire du bien de repartir sur des enquêtes qui vont dans tous les sens. Ouais, parce que là, c'était un petit peu trop orienté sur une seule truc. Et, oui, bah, normal, parce que. Ouais. Le truc, c'est que si tu la fais en même temps que d'autres, ça devient trop complexe, je pense. Mais... C'est un peu pour ça que je voulais la faire au début. Et le problème aussi qu'on a, c'est que bah on s'en est mangé tout le long du début. On s'en est vraiment bien mangé comme il faut et compagnie. Et à chaque fois, bah on avait zéro information, on avait les pieds et poings liés. Enfin, entre guillemets. Comme Elisa. Hein. Et au final, ça s'est rouvert, quoi. C'est... Oui, mais t'inquiète pas, hein, c'est normal.
Elle m'insulte, c'est normal. C'est ça. Si tu veux. Ouais, c'est une référence à un sketch, hein, faut... Moi j'ai compris le sketch, t'inquiète pas. Anthony Cavana. Oui, tout à fait. On peut dire au revoir aux gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Au revoir les gens.